Bonsoir à vous. Bonsoir, collègues. Imaginez-vous donc, ça fait déjà un an qu'on siège ensemble. C'est extraordinaire. Déjà un an. C'est un plaisir de siéger avec vous et de vous côtoyer dans toutes nos activités et ici à la MRC. Je suis vraiment contente de siéger avec vous en tant que préfète, vous représentant, puis d'avoir un bras droit comme M. Teasdale. Donc, je voulais vous dire, ben bon un an. Bonsoir aux gens dans la salle. Vous allez bien? Je vous dirai tantôt. D'accord. Vous me gardez le suspense. Maître Hamel, Mme Davignon, bonsoir. TVR9. Donc, je vais déclarer la séance ouverte du 23 novembre 2022. Donc, pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour, il y a quelques modifications, dont le libellé du 8.3, et puis on retire aussi le point 8.4 de l'ordre du jour. Donc, avec ces modifications, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Villeneuve, est-ce que j'ai un appui? Madame, les dames, vous êtes... OK, Madame... L'abbé! Excusez. C'est parce que ça fait plus qu'un an avec vous, c'est pour ça. Oui, c'est les fêtes bientôt. On est festif. Donc, première intervention de l'assistance. Oui, Ferdinand Bernet, Mont-Saint-Hilaire. Bonsoir. Madame la préfète, bonsoir, bonsoir tout le monde. Si vous permettez, j'aimerais m'adresser à vous en tant que mairesse de Saint-Jean-Baptiste. On a perdu un grand monsieur. Alors, je vous présente mes condoléances pour Jacques Vincent. Oui. C'est un bonhomme que j'ai beaucoup apprécié. Je suis sûr qu'il est bien aimé dans son village. Mm-hmm. Il m'a travaillé les derniers 25 ans. Je l'ai très souvent engagé avec sa pépine, là. Puis il venait toujours tout de suite. Il n'a jamais dit non. Il s'arrangeait toujours avec son camion, me livrait du sable, mon chemin. Et c'était formidable comme monsieur. Il a assez souffert dans sa vie, là, avec ses dialyses, là, des reins, là. C'est triste qu'il n'y ait jamais eu transplantation des reins, là. C'est vraiment, je trouvais ça triste chaque fois quand je le voyais. Mais il y avait toujours le moral pareil. Oui. Alors, je vous présente mes condoléances, et puis... Oui. C'est difficile de remplacer le monde de même, hein? Oui, mais je vais les prendre, je vais les porter à leur famille, à ces deux garçons. OK, merci. Mm. Merci. Alors, je reviens de Vienne. C'est une ville que je connais fort bien. J'ai calculé depuis les derniers 16 ans. En tout, par tranche de 3 semaines, j'ai passé trop proche de 2 ans. Donc, je connais assez bien la ville. Il y a quelques années, j'étais assis à une intersection de rue, de 5 rues. Puis, j'observais la circulation. Puis, il n'y a personne qui faisait le stop. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là, ce pays-là? Je suis allé voir, mais il n'y avait pas de stop. Ils ont décédé. C'est rare qu'il y ait des stops à Vienne. Ce qui m'amène à féliciter chaleureusement la ville d'Ottobern Park, qui a éliminé presque 50 % de leurs stops. C'est-tu pas extraordinaire? Vraiment, je suis fier. J'ai demandé ça à ma ville, on a arrêté de faire des stops, et ils ont ajouté des petits temps là, le chemin de la montagne. C'est ce que le monde ne réalise pas. Tout le monde réalise qu'il sort de tuyaux d'échappement, c'est pas beau pour la santé. Mais ce qui est pire, c'est l'usure des pneus. Puis à chaque fois quand on s'arrête, ça fait de la poussière de pneus, puis ça fait des maladies comme notre monsieur que je viens de citer, il vient de mourir. C'est ça le plus gros problème. C'est ça que j'étais contre ces terrains de soccer avec des terrains synthétiques, avec des pneus qui font aussi de la poussière qui est très mauvaise pour la santé. Alors, si je resterais un coin de rue, là, j'aimerais pas qu'il y ait stop. Parce que c'est moi qui vais tout respirer, cette poussière-là. Il faudrait expliquer ça au monde, puis d'arrêter de faire des stops. Essayez de faire. J'ai un exemple fantastique, notre MRC, c'est Ottobern Park. Alors, je les félicite vraiment chaleureusement. Il a réussi quelque chose que d'autres essayés n'ont pas réussi. Merci beaucoup, hein. Merci. Merci, Bernard. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle? C'est bon. Maître Hamel? Il n'y a pas de questions en ligne. Pas de questions en ligne. Donc, nous allons poursuivre au point 4.1 avec les procès-verbaux. Donc, pour le 4.1.1,
adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre dernier. Donc, si vous en déclarez satisfait, tel que rédigé par notre greffière trésorière, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Marquez et Monsieur... Monsieur Bousquet, merci. Je peux vous garder pour la suite, là. Donc, on poursuit avec le 4.1.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 novembre dernier. Puis, vous avez pris lecture, collègues, pour la séance extraordinaire du 3 novembre. Donc, si ça résume bien tel que vous l'avez vécu, j'ai besoin d'un proposeur. Hein? Là, vous êtes en gang, messieurs, là. Hein? Monsieur Lessard, je vais vous garder aussi Monsieur Tisdane. Parce que parfois, on s'appelle par nos petits noms, hein? Fait là, tu oublies le nom de famille, là. Donc, on poursuit au point 4.2. C'est pour la nomination au sein du bureau des délégués des cours d'eau. Puis je vais demander la collaboration de Maître Hamel pour les deux prochains points, en fait, Maître Hamel. Oui, oui. En fait, pour la nomination au sein du bureau des délégués cours d'eau, certains articles du Code municipal là, prévoient qu'il doit avoir dans chacune MRC des délégués au nombre de 3. Donc, en vertu de cette même loi, la préfète de la MRC est à titre d'office là, une des déléguées du bureau des délégués des cours d'eau. Et puis, en vertu également là, de cette loi-là, le Code municipal du Québec, le conseil de la MRC doit procéder à chaque séance du mois de novembre à la nomination des deux autres délégués parmi ses propres membres. Donc, le conseil également peut nommer un substitut à chacun des 3 délégués qui sont nommés. Donc, il y a lieu de procéder à la nomination des délégués et de leurs substituts pour l'année 2023. Donc, il serait résolu que M. Normand Tisdel, préfet suppléant et maire de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, soit et est nommé à titre de deuxième délégué et que M. Patrick Marquez, maire de la ville de Carignan, soit et est nommé à titre de troisième délégué du bureau de délégués des cours d'eau, en plus de Mme Marlène Nadeau, préfète et mairesse de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, qui est première déléguée d'office pour l'année 2023. Également que Mme Mélanie Villeneuve, mairesse de la ville d'Ottobone Park, soit et est nommée à titre de membre substitut de la première déléguée. Et M. Jonathan Chalifou, maire de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, soit nommé à titre de membre du substitut du second délégué. Et que M. François Bertillon, maire de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, soit nommé à titre de membre substitut du troisième délégué pour l'année 2023. Et ce, advenant leur impossibilité à remplir leurs fonctions. Et que les membres du bureau des délégués des cours d'eau soient rémunérés conformément au règlement de la MRC de la vallée du Richelieu à cet effet. Merci beaucoup, Maître Hamel. Est-ce que j'ai un proposeur? Tantôt, j'en avais beaucoup, là. Oui, donc, Mme Villon et Mme Labbé. Je devrais tourner les cartons vers moi. OK. Pourtant, je vous connais bien. Mais... Donc, est-ce que vous pouvez poursuivre au point 4.3? C'est pour la nomination au sein du comité exécutif de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Oui. En fait, attendu que la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent doit procéder à la nomination des membres de son comité exécutif. Attendu que le comité exécutif de la Régie est composé de 7 membres choisis parmi les délégués de son conseil d'administration, lequel conseil est formé d'un ou une déléguée membre de son conseil municipal, nommé par résolution de chacune des municipalités qui sont parties à l'entente qui est relative à la création de la Régie. 4 des 7 membres du comité exécutif de la Régie doivent être désignés parmi les délégués du conseil d'administration provenant de la MRC de la vallée du Richelieu ainsi que des municipalités de Richelieu et de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Les 4 membres doivent être recommandés par une résolution adoptée par le conseil de la MRC de la vallée du Richelieu. Donc, il serait résolu que Mme Marlène Nadeau, préfète et mairesse de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, ainsi que messieurs Martin Dulac, maire de la municipalité de McMasterville, Patrick Marquez, maire de la ville de Carignan, et Yves Lessard, maire de la ville de Saint-Basile-le-Grand, soit et sont les personnes dont les candidatures sont recommandées pour combler les postes et siéger au sein du comité exécutif de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent pour l'année 2023. Merci, Maître Hamel. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Tisdale et Madame Villeneuve, merci. Et j'en profite d'ailleurs pour féliciter notre président de la dernière année,
Bravo pour tout le travail que vous avez fait pour nos communautés. Merci. Donc, on poursuit. Et là, je vais demander la collaboration de mon voisin, M. Guertin, pour le 4.4, Office régional d'habitation de la Vallée du Richelieu, renouvellement du mandat d'un membre siégeant au sein du conseil d'administration. Merci bien. Donc, Madame la préfète, collègues, comme vous le savez, la MRC a déclaré compétence en matière de logement, de gestion du logement social pour 10 municipalités de notre MRC, notamment Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Belleuil. Ce qui a permis la création de l'Office régional d'habitation de la vallée du Richelieu. Et cet office-là est relativement nouvelle puisqu'elle a été constituée le 1er janvier 2021. La MRC doit donc nommer 5 membres du conseil d'administration de l'ORH. Et lors de sa création, en fait, elle a procédé à la nomination de certains nombres de ces postes-là. Et ça donne que mon collègue ici, M. Dulac, figurait parmi la première mouture de membres du conseil d'administration. Mais son mandat arrive à échéance. Alors, il est opportun de procéder au renouvellement du mandat de M. Dulac pour qu'il puisse continuer à siéger au sein de notre conseil d'administration de l'Office régional d'habitation. Alors, je propose de renouveler le mandat de M. Dulac, puisque son mandat arrive à échéance, maire de la municipalité de McMasterville, à titre de membre nommé par le conseil de la MRC de la vallée du Richelieu au sein du conseil d'administration de l'Office régional d'habitation de la vallée du Richelieu, et ce, pour 3 ans, lequel mandat est renouvelable. Merci, M. Guertin. Et vous êtes appuyé par Mme Biot. Merci. Merci. Donc, on poursuit. Avec le point, affaires diverses, point 5, 5.1, événements cyclistes et historiques, l'enfer des patriotes, demande de commandite. Et je vais demander la collaboration de M. Bousquet. Merci, Mme la préfète. Bonsoir tout le monde. La course de l'enfer des patriotes est un événement cycliste annuel situé majoritairement sur le territoire de la MRC de la vallée du Richelieu et qui parcourt les municipalités de Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Victoire-de-Sorel, Saint-Jude, Saint-Bernard-de-Michauville et de la Présentation. Attendu que la MRC de la vallée du Richelieu intervient dans la valorisation de la zone agricole, la mise en valeur du patrimoine et le développement du tourisme sur son territoire. Attendu qu'en 2022, la MRC de la vallée du Richelieu, par la résolution numéro 2203-097, a soutenu financièrement la première édition de l'événement cycliste L'Enfer des Patriotes, tenu au printemps 2022. Attendu que ce type de course cycliste est unique en son genre, possède un grand potentiel de rayonnement pour les municipalités rurales et est complémentaire aux actions de la MRC de la vallée du Richelieu complémentaire aux actions de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu comprendre au niveau du cyclotourisme, attendu que l'entreprise Flandrien Organisation incorporée a soumis à l'attention de la MRC un plan de commandite relatif à la tenue de l'événement au printemps 2023 en échange de visibilité, attendu que la MRC de la vallée du Richelieu souhaite être partenaire de ce projet. Alors, la résolution est que la MRC de la vallée du Richelieu souscrit à la proposition de partenariat hors du plan de commandite de Flandrien Organisation incorporée au montant de 5 000 dans le cadre de l'événement cycliste et historique L'Enfer des Patriotes, dont la tenue est prévue au printemps 2023. Dans la mesure où toutes les autorisations requises pour l'événement sont obtenues et déposées à la MRC de la vallée du Richelieu. Alors, j'en fais la proposition. Oui, M. Bousquet, merci. Et vous êtes appuyé par M. Lessard. Merci. On poursuit au point 5.2,
Ça concerne la subvention au regroupement des tables décisionnelles de la Montérégie pour soutenir les activités de la table de concertation régionale de la Montérégie pour l'année 2023. Donc, c'est pour, en fait, c'est pour signer un protocole d'entente hein, visant à soutenir la table de concertation régionale de la Montérégie dans l'accomplissement de sa mission pour l'année 2023. Donc, que les MRC et l'agglomération estiment qu'il est dans l'intérêt de la région de la Montérégie que l'espace de coordination, de réseautage et de concertation que constitue la table de concertation régionale de la Montérégie, on l'appelle souvent la TCRM, soit soutenue et que ses ressources suffisantes lui soient allouées, et ce, afin de soutenir le développement de la Montérégie dans un esprit de solidarité. Les MRC peuvent prendre toutes mesures afin de favoriser le développement local et régional sur leur territoire. La loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations permet à l'agglomération d'exercer ses mêmes pouvoirs. Donc, que le RTDM, là, je cherchais la table de, a pour objectif d'assister et soutenir la TCRM dans l'exercice de ses fonctions, que le RTDM s'engage à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les sommes versées par les MRC et l'agglomération servent uniquement à la réalisation de l'entente et ses objets tels que définis dans l'article 1 de l'entente. Donc, que le RTDM s'engage à faire rapport annuel aux MRC et à l'agglomération de Longueuil quant à l'utilisation des fonds selon les modalités prévues par la loi. Que les membres du conseil de la TCRM ont entériné, via la résolution 1053-10-2022, le projet prévisionnel 2023, ainsi que les contributions attendues des MRC et de l'agglomération de Longueuil. Donc, si vous êtes en accord, mesdames, messieurs, c'est que, dans le fond, on adhérait à l'entente visant à soutenir la table de concertation régionale de la Montérégie dans l'accomplissement de sa mission pour l'année 2023 et de contribuer une subvention de 15 000 $ et de procéder au versement de la subvention dans les 60 jours suivants la signature du protocole et de me mandater pour signer la dite entente. Donc, si vous êtes en accord, collègues, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Marquez, est-ce que j'ai un appui à... Oui, excusez, Monsieur Gertin. Je vous remercie. C'est bon pour tout le monde? On poursuit. Au point 5.3, ça concerne une subvention à la table des préfets et des élus de la Couronne Sud pour soutenir l'accomplissement de sa mission pour l'année 2023. Et je siège avec quelques collègues de cette table, dont Monsieur Gertin, si vous voulez bien prendre lecture. Oui, bien, c'est très en lien avec ce que vous venez d'évoquer, Madame la Préfète, parce que au sein du regroupement d'étapes décisionnelles de la Montérégie, en fait, il y a un groupe de travail qui s'appelle, en fait, la TEPEX pour les initiés, mais c'est plutôt la table des préfets et élus de la Couronne Sud. C'est une table de concertation qui permet à plusieurs représentants des MRC et de certaines municipalités impliquées dans les activités de la région de la Couronne-Sud qui sont associées à la communauté métropolitaine de Montréal de se regrouper puis de se concerter. Donc, le regroupement d'étapes décisionnelles de la Montérégie assiste en fait la TEPEX dans l'exercice de ses fonctions. Puis, elle s'engage notamment à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les contributions des MRC, notamment pour le maintien de la TEPEX, soient utilisées à bon escient. Tout ça se fait à l'intérieur de l'exercice là, des compétences qui sont dévolues au MRC dans le cadre de la loi sur les compétences municipales. Alors, notre dite TEPEX a besoin de financement, puis elle nous propose une cotisation pour l'année 2023. Et donc, je propose d'adhérer à l'entente visant à soutenir la table des préfets et des élus de la Couronne-Sud dans l'accomplissement de sa mission pour l'année 2023, de contribuer à la dite entente via une subvention de la MRC de 76 921,53 sous, puis de procéder au versement de la subvention dans les 60 jours signant la signature du protocole, puis de vous autoriser, Madame la Préfète, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée-du-Richelieu le protocole d'entente à intervenir ainsi que tout document utile nécessaire à cette fin. Merci, M. Gertin. Est-ce que j'ai un appuyeur pour Mme Villot? Merci. C'est bon pour tout le monde?
que nous sommes rendus au point 5.4. Ça concerne une entente sectorielle de développement pour la valorisation des réseaux multifonctionnels de la Montérégie 2022-2023. Je vais demander votre soutien, Maître Amel, pour ce point. Oui. Alors, attendu l'importance des retombées que pourrait engendrer le secteur touristique en Montérégie et plus particulièrement les réseaux multifonctionnels, attendu le succès de la démarche de concertation entamée par les MRC et les partenaires du milieu visant l'identification de projets rassembleurs pour la structuration du réseau des sentiers multifonctionnels. Attendu la volonté des MRC de la Montérégie, des MRC de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska, de l'agglomération de Longueuil, du ministère des Affaires municipales et de Tourisme Montérégie a signé une entente pour la valorisation des réseaux multifonctionnels pour une durée de 3 ans. Attendu qu'il est proposé que les MRC de la Montérégie, les MRC de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska et l'agglomération de Longueuil s'engagent à contribuer pour un montant de 225 000 $ sur 3 ans, soit un maximum de 21 % du montant total pour la mise en œuvre de l'entente. Attendu qu'il est proposé que Tourisme Montérégie agisse à titre de mandataire pour la mise en œuvre de l'entente, donc il serait résolu d'adhérer à l'entente sectorielle de développement pour la valorisation des réseaux multifonctionnels de la Montérégie 2022-2025. De désigner Tourisme Montérégie en tant qu'organisme mandataire de la mise en œuvre de la dite entente, de confirmer la participation financière de la MRC de la Vallée du Richelieu à l'entente en y affectant les montants maximum suivants par année provenant du Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional pour 2023, 2024 et 2025, donc 5 000 $ chacun. D'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfète, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu, la dite entente, et de désigner Mme Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à siéger au comité de gestion de l'entente. Merci, Maître Amel. Donc, suite à ces informations, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Monsieur Lessard? En même temps, messieurs. Monsieur Marquez? Parfait. Merci. Je vous garde, Monsieur Chalifour. Lessard et Monsieur Marquez. Est-ce que vous pouvez continuer au 5.5, Maître Amel? Ça concerne oui. L'entente sectorielle de développement pour la forêt à Montérégie 2022-2026. Oui. Vu l'importance du secteur forestier en Montérégie et le succès de la démarche de concertation des acteurs du milieu et les projets entamés avec l'entente sectorielle de développement pour la forêt dans la région administrative de la Montérégie 2020-2022, attendu que les partenaires de l'entente 2020-2022 soient le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, maintenant ministère des Affaires municipales, les MRC de la Montérégie et de l'agglomération de Longueuil, la MRC de la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi souhaitent signer une nouvelle entente pour une durée de 3 ans. Donc, il serait proposé que les MRC de la Montérégie, Brome-Missisquoi, la Haute-Yamaska et l'agglomération de Longueuil s'engagent à contribuer pour un montant de 216 000 $ sur 3 ans, soit un maximum de 17 % du montant total de la mise en œuvre d'entente. Et l'Agence forestière de la Montérégie serait mandataire pour la mise en œuvre de l'entente. Donc, il serait résolu d'adhérer à l'entente sectorielle de développement pour la forêt en Montérégie 2022-2026, de désigner l'Agence forestière de la Montérégie en tant qu'organisme mandataire de la mise en œuvre de la dite entente et de confirmer la participation financière de la MRC de la Vallée du Richelieu à l'entente en y affectant les montants maximum suivants par année provenant du Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional, donc tant pour 2023, 2024 et 2025 de 4 800 $ chacun. D'autoriser Mme Marlène Nadeau, préfète, à signer au nom et pour le compte de la MRC de la Vallée du Richelieu la dite entente et de désigner Mme Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à siéger au comité de gestion de l'entente. J'ai M. Guertin et M. Chalifou. Je vous regardais, c'est bon. Merci. C'est bon pour tout le monde, pour la signature de l'entente. En soulignant l'importance de nos forêts. Eh oui, oui, vous avez le mot juste, M. Guertin. Pour le point 5.6, cela concerne le dossier de la rivière Richelieu suite offre d'accompagnement. Et puis, j'avais demandé la collaboration de M. Bertillon, mais je ne sais pas si vous aviez eu l'information pour... parce que je sais que j'ai tombé dans les spams. Vous ne me l'avez pas mentionné tout à l'heure. Oui, mais pas tout à l'heure, pas de mes voix, je peux. Ici. Pardon? J'ai pas le document donc, ici. Donc, je vais le faire, mais en votre nom et au nom de tous. C'est excellent, bon? Parfait. OK. Donc, la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite se positionner stratégiquement face à la protection et les usages de la rivière Richelieu. Cours d'eau significatif,
historique et symbolique qui borde plusieurs des municipalités du territoire. La MRCVR souhaite avoir un accompagnement dans son processus de positionnement à cet égard afin que celui-ci soit clair et solidaire pour l'ensemble des municipalités du territoire. À cet effet, la MRCVR a octroyé un premier mandat d'accompagnement consistant à la réalisation d'une analyse systémique de la rivière Richelieu et la proposition de pistes d'encadrement pouvant permettre de préserver la santé et le bien commun à matière brute transformation incorporée, le tout conformément aux dispositions relatives à l'octroi de contrats de gré à gré prévues au règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle et au Code municipal du Québec. La MRCVA désire continuer le travail déjà entamé et qu'à cet égard, il est opportun d'octroyer un mandat d'accompagnement pour consolider de la vision politique et constitution de la capacité d'agir à la firme ayant réalisé la première phase de l'étude, soit matière brute, transformation incorporée, étant satisfaite des tâches accomplies. Matière brute, transformation incorporée a soumis une offre. A soumis une offre de service à la MRCVR à date du 20 octobre 2022 au montant de 11 673,75 $ plus les taxes applicables pour continuer la suite du travail amorcé. Les membres du conseil de la MRCVR ont pris connaissance de l'offre de service soumise, donnent leur accord à l'octroi de ce mandat sans autre démarche conformément au règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle et s'en déclarent satisfaits. Donc, si vous êtes en accord, collègues, il y aurait lieu d'octroyer le mandat d'accompagnement de la MRC de la Vallée du Richelieu pour la consolidation de la vision politique et constitution de la capacité d'agir dans le cadre du dossier de la rivière Richelieu à matière brute transformation incorporée au montant de 11 673,75 $ plus les taxes applicables, le tout selon l'offre de service soumise le 20 octobre 2022, d'autoriser Mme Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu l'offre de service tenant lieu de contrat ainsi que tout document nécessaire et utile pour donner suite à ce mandat. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Là, c'est ça, je veux quand même voir les mains parce que là, je vois les deux côtés, là. Oui. Donc, j'ai vu mes riverains ici. Vous êtes des riverains aussi. Je n'ai pas la tâche facile ce soir. C'est unanime. Donc, M. Bertium et M. Bousquet, mais prenez en compte que j'ai vu les mains vraiment s'élever ardemment. Soyons solidaires autour de la rivière. Exactement. On poursuit au point 6, ressources financières et matérielles, 6.1, prévision budgétaire pour l'année 2023, 6.1.1, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2023. Et je demandais la collaboration de M. Lessard. Merci, Mme la préfète. Merci à vous. Donc, je vais indiquer au départ que nous allons prendre ça partie par partie, donc les grands champs d'activité de la MRC. En termes de nombre de municipalités. Vous allez pouvoir le découvrir au fur et à mesure. Les deux premiers entendus, c'est des entendus qu'on va retrouver sur les 7 propositions qui vont venir. Donc, on va commencer par la 7e. On va partir ça de façon originale. On va commencer par la 7e. Alors, entendu que le conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu a procédé avec la directrice générale à l'élaboration des prévisions budgétaires pour l'année financière 2023, entendu qu'en vertu de l'article 975 du Code municipal du Québec, les diverses parties du budget sont adoptées séparément. Alors, entendu que la 7e partie du budget porte sur la sécurité publique et le plan de gestion des matières résiduelles, entendu les représentants des 4 municipalités concernées par cette 7e partie du budget en ont pris connaissance et s'en sont déclarés satisfaits. Il est donc proposé et résolu que les prévisions budgétaires pour l'année financière 2023 portant sur la sécurité publique et le plan de gestion des matières résiduelles soient et sont adoptées telles que déposées, soit des dépenses de 5 110 $
Et je crois, Madame la Présidente, Madame la Greffière, pardon? Exactement. Ce que vous alliez dire, que c'est les représentants des quatre municipalités qui doivent proposer et appuyer? Effectivement. Exactement. Donc, on va y aller au fur et à mesure. Oui, c'est ça que... Parce qu'on avait l'intention tantôt de le prendre dans un bloc, mais on va y aller au fur et à mesure. Madame la Maître Hamel, qu'est-ce qu'elle me mentionnait, puisque ça touche... Je vais le présenter et ils vont... Parfait. Proposer. Donc, j'ai M. Chalifoux et Mme Lucier qui a levé la main. C'est bon? Oui. Vous pouvez continuer, M. Lessard, merci. Alors, la sixième partie, à nouveau, la directrice générale a participé, bien sûr, à l'élaboration de ce budget-là en fonction de l'article 975 du Code civil et aussi entendu que la sixième partie du budget porte sur l'évaluation foncière des municipalités régie par le Code des municipalités du Québec. Et entendu que les représentants des sept municipalités concernées par cette sixième partie du budget en ont pris connaissance, s'en sont déclarés satisfaits. Il est donc résolu que les prévisions budgétaires pour l'année financière 2023 portant sur l'évaluation foncière des municipalités régies par le Code municipal du Québec soient et sont adoptées telles que déposées, soit des dépenses de 325 986 $. Monsieur Lessard, j'ai Monsieur Bousquet et Monsieur Chalifoux. Merci. Cinquième partie, Madame la Présidente, je fais grâce des deux premiers paragraphes parce qu'on en a parlé aux deux précédents. D'accord. Alors, entendu que la cinquième partie du budget porte sur les dépenses relatives aux fins de l'exercice des fonctions de la table des préfets et des élus de la Couronne Sud réparties entre toutes les municipalités incluses dans la communauté métropolitaine de Montréal. Entendu, les représentants des neuf municipalités concernées par cette cinquième partie du budget en ont pris connaissance et s'en sont déclarés satisfaits. Il est donc résolu que les prévisions budgétaires pour l'année 2023 portant sur les dépenses relatives aux fins de l'exercice des fonctions de la table des préfets et des élus de la Couronne Sud, réparties en toutes les municipalités incluses dans la communauté métropolitaine de Montréal, soit et sont adoptées telles que déposées, soit des dépenses de 76 925 $. Donc, ce faisant, oui, j'ai M. Teasdale et Mme Labbé. Merci. Oui. Vous pouvez poursuivre, merci. Quatrième partie, celle-ci, Mme la Présidente, c'est le quatrième entendu, porte sur la collecte, le transport et le conditionnement des matières résiduelles. De plus, entendu que les représentants des 11 municipalités concernées par cette quatrième partie du budget en ont pris connaissance, s'en sont déclarés satisfaits. Alors, il est résolu que les prévisions budgétaires pour l'année financière 2023 portant sur les collectes, le transport et les conditionnements des matières recyclables soient et sont adoptées telles que déposées, soit des dépenses de 2 689 000 $. Merci. J'ai Mme Villeneuve. Monsieur Dulac, merci. Alors, troisième partie du budget, en thème d'entendu, que cette partie du budget porte sur les collectes et le transport des matières organiques et sur la collecte de transport et l'élimination des matières ultimes. Entendu que la troisième partie du budget inclut également les dépenses relatives à la gestion de l'écocentre régional. Je pense que ça me permet de proposer, là, hein, parce que j'y participe. Non, l'écocentre. Parce que je n'ai pas le transport. Non, le vous transport, l'avez pas la compétence. OK. Vous me direz quand je peux proposer. conséquemment, entendu, les représentations des 11 municipalités concernées par cette troisième partie du budget et qui en ont pris connaissance et s'en déclarent satisfaits, il est donc résolu que les prévisions budgétaires pour l'année financière 2023 portant sur la collecte et le transport des matières organiques, la collecte, le transport et l'élimination des matières ultimes, ainsi que la gestion de l'écocentre régional, soient et sont adoptées telles que déposées, soit des dépenses de 7 770 951 $. Merci, M. Lessard. Donc, ceux qui font partie de l'écocentre, j'ai Mme Lucier et M. Dulac. Merci. La seconde partie maintenant de ce budget porte sur l'aménagement des cours d'eau. Entendu les représentants des 13 municipalités. Hein, là, vous ne passerez pas à côté, là. Alors, des 13 municipalités concernées par cette seconde partie du budget, on a pris connaissance, en déclare satisfait. Il est donc résolu
j'en fais la proposition, Madame Parfait. La Présidente, que les prévisions budgétaires pour l'année financière 2023 portant sur l'aménagement des cours d'eau, soit ils sont adoptés tels que déposés, soit des dépenses de 450 890 $. Merci, M. Lessard. Donc, est-ce que j'ai un appuyeur à M. Lessard? Personne. Hey, hein? Je trouve que vous êtes pas mal à l'aise. On se nomme. OK, c'est bon, ça. On va rester vigilants. Je vais garder pour la suite. Je vais garder M. Dulac pour la suite. C'est un bon exercice, ça. Donc, vous pouvez Donc, l'ultime entendu. Entendu que la première partie du budget porte sur les pouvoirs généraux de la MRC. Entendu que le Conseil a pris connaissance des prévisions budgétaires 2023 et s'en déclare satisfait. Il est donc résolu que les prévisions budgétaires pour l'année financière 2023 portant sur les pouvoirs généraux de la MRC de la Vallée du Richelieu soient et sont adoptées telles que déposées, soit des dépenses de 5 436 738. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Fait, oui, vous l'avez merci. Fait? OK, ouais, je n'étais pas certaine. Oui. Puis là, je... Ça va me récompenser. Je peux l'appuyer. Donc, M. Lessard et Mme Labbé. Donc, je pense que c'est Mme Lagraffière qui prend le relais. Et que oui! Cette partie-là, oui. Donc, au point parce que là, ça devient plus sérieux. 6.1.2, répartition des dépenses par municipalité, Maître Amel. Oui, donc on comprend que le Conseil de la MRC vient d'adopter tout juste aujourd'hui, 23 novembre, les résolutions sur les parties du budget. Donc, pour la septième partie qui concerne la sécurité publique et le plan de gestion des matières résiduelles, cela se divisait et impliquait la participation de 4 municipalités pour le montant de 5 110 $. Donc, le résolu est que les dépenses de 5 110 $ établies aux provisions budgétaires 2023 touchant les services de sécurité publique rendus par la Sûreté du Québec et la préparation du plan de gestion des matières résiduelles soit assumée par ces 4 municipalités, donc Saint-Antoine, Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Marc, tous sur le Richelieu, donc pour le montant de 1 277 $ chacune, et que les dépenses soient réparties entre chacune municipalité selon le coût réel, et que les sommes non payées à compter du 31e jour de l'envoi de la facture par la greffière trésorière portent intérêt au taux mensuel de 1,00%. Merci. Oui, j'ai M. Chalifou et M. M. Bousquet. Mais je vous garde les deux autres, là. C'est bon. Merci. Pour la sixième partie du budget qui concernait l'évaluation foncière des municipalités qui sont régies par le Code municipal du Québec, le montant à se diviser entre ces 7 municipalités était de 325 986 $. Donc, ces dépenses qui sont établies aux prévisions budgétaires 2023 qui touchent ces services seraient répartis comme suit. Donc, McMasterville pour 62 719 $, Saint-Antoine-sur-Richelieu 32 547 $, Saint-Charles-sur-Richelieu 35 308 $, Saint-Denis-sur-Richelieu 43 300 $, Saint-Jean-Baptiste 61 917 $, Saint-Marc-sur-Richelieu 38 036 $ et Saint-Mathieu-de-Belleuil 52 159 $. Que les dépenses soient réparties à chaque municipalité selon le coût réel et que les sommes non payées à compter du 31e jour de l'envoi de la facture par la greffière trésorière portent intérêt au taux mensuel de 1%. Donc, j'ai M. Teasdale, j'ai vu aussi tantôt. C'est vous, Mme Lucier. Merci. On peut... Oui. Pour la cinquième partie du budget, donc qui concerne... une entente particulière qui concerne la gestion des dossiers relatifs à la communauté métropolitaine de Montréal pour la Couronne-Sud. Les dépenses imputables à cette partie concernent 9 municipalités et pour un montant de 76 925 $. Donc, ces dépenses qui ont été établies aux prévisions budgétaires 2023 et qui touchent les services à être rendus pour la gestion des dossiers relatifs à la communauté métropolitaine de Montréal sont assumées de cette façon par les 9 municipalités. Donc, Belleuil, 14 752 $, Carignan, 9 057 $, Chambly, 18 140 $, McMasterville, 2 797 $, Mont-Saint-Hilaire, 13 559 $,
Ottobon Park, 4 348 $. Saint-Basile-le-Grand, 9 257 $. Saint-Jean-Baptiste, 2 097 $. Et Saint-Mathieu-de-Belleuil, 2 918 $. Et que les sommes non payées à compter du 31e jour de l'envoi de la facture par la greffière trésorière portent intérêt au taux mensuel de 1 %. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Mme Labbé, puis j'ai M. Hey, hein, vous me jouez des taux. Oui, vous proposez, Mme Labbé? Oui, j'ai M. Lessard. Merci, Maître Amel. Pour la quatrième partie du budget, qui sont pour les services de collecte, de transport, conditionnement des matières recyclables, ces dépenses imputables de 2 689 325 $, c'est pour les 11 municipalités suivantes. Donc, Belleuil pour une somme de 700 089 et 427 $, excusez-moi. Carignan, 365 507 $. McMasterville, 182 253 $. Mont-Saint-Hilaire, 608 205 $. Ottobon Park, 258 548 $. Saint-Antoine-sur-Richelieu, 57 942 $. Saint-Charles-sur-Richelieu, 56 671 $. Saint-Denis-sur-Richelieu, 79 927 $. Saint-Jean-Baptiste, 112 052 $. Saint-Marc-sur-Richelieu, 74 623 $. Et Saint-Mathieu-de-Belleuil, 104 080 $. Et que les sommes non payées à compter du 31e jour de l'envoi de la facture par la greffière trésorière portent intérêt au taux mensuel de 1 %. J'ai un proposeur. OK. Monsieur Dulac et Monsieur Bousquet, c'est bon. Parfait. Petite gorgée d'eau avant que... Ben oui, ben oui. Vous avez la... la... Oh, je pense que oui, Monsieur Lessard, vous aviez les... Oui. <C'est ça>. Oui. Donc, pour la troisième partie du budget qui touche les prévisions pour les services de collecte, transport des matières organiques et services collecte, transport des matières ultimes et la gestion de l'éco-centre, la participation financière des 11 municipalités membres de la MRC, c'est pour un montant de 7 770 951 $. Et ce montant est réparti de deux façons. Donc, il serait résolu que les dépenses de 6 469 303 $ qui sont établies aux prévisions budgétaires 2023 et qui touchent les services de collecte de matières organiques et collecte, transport et élimination de matières ultimes. Donc, pour les 11 municipalités suivantes, Belleuil, 1 934 554 $. Carignan, 836 449 $. McMasterville, 445 864 $. Mont-Saint-Hilaire, 1 410 266 $. Ottobon Park, 644 609 $. Saint-Antoine-sur-Richelieu, 137 798 $. Saint-Charles-sur-Richelieu, 152 127 $. Saint-Denis-sur-Richelieu, 213 115 $. Saint-Jean-Baptiste, 280 410 $. Saint-Marc-sur-Richelieu, 181 808 $. Et Saint-Mathieu-de-Belleuil, 232 303 $. Et finalement, l'autre montant, que les dépenses de 1 301 648 $ qui touchent les services rendus par l'éco-centre et qui sont assumés par 10 municipalités. Donc, on a Belleuil pour un montant de 395 542 $. Carignan, 187 279 $. McMasterville, 93 204 $. Mont-Saint-Hilaire, 276 503 $. Ottobon Park, 131 808 $. Saint-Charles-sur-Richelieu, 30 329 $. Saint-Denis-sur-Richelieu, 42 445 $. Saint-Jean-Baptiste, 59 391 $. Saint-Marc-sur-Richelieu, 35 555 $. Saint-Mathieu-de-Belleuil, 49 532 $. Que les dépenses relatives à l'éco-centre régional soient réparties à chacune municipalité selon le coût réel et que les sommes non payées à compter du 31e jour de l'envoi de la facture par la greffière trésorière portent intérêt au taux mensuel de 1 %. Pour la seconde partie du budget, donc, ça touche finalement toutes les municipalités de la MRC pour un montant de 454 890 et c'est relatif à l'aménagement des cours d'eau.
Donc, ces dépenses de 454 890 touchent l'ensemble des services rendus en matière d'aménagement des cours d'eau et sont assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC et que ces dépenses sont réparties entre chacune des municipalités concernées en vertu des règlements qui régissent les cours d'eau où des aménagements sont réalisés et selon les coûts réels imputables et que les sommes qui sont non payées à compter du 31e jour de l'envoi de la facture par la greffière trésorière portent intérêt au taux mensuel de 1 %. Et finalement, pour la première partie du budget qui vient d'être adoptée, les dites prévisions portent sur les pouvoirs généraux de l'AMRC. Les dépenses qui sont imputables, c'est pour la participation de toutes les municipalités, un montant de 5 436 738. Il y a une partie de ce montant, soit 2 487 936, que la participation est fixée par voie de résolution en fonction de la richesse foncière uniformisée en vertu du règlement numéro 7415, qui est relatif à la répartition des dépenses de la MRC de Vallée-du-Richelieu et au paiement des quotes-parts. Et pour l'autre partie du montant, soit 2 948 802 relatifs au traitement des matières organiques de la CEMEX, Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud. La participation est fixée en fonction du nombre d'unités d'occupation déclarées par chacune des municipalités. Donc, il sera résolu que le montant de 2 487 936, une taxe de 0,0111 d'évaluation de la richesse foncière uniformisée de chacune des municipalités membres de la MRC de la vallée du Richelieu, soit imposé. Delaye, 486 312, Carignan, 255 800, Chambly, 530 503, McMasterville, 86 407, Mont-Saint-Hilaire, 403 787, Ottoman Park, 118 793, Saint-Antoine-sur-Richelieu, 51 771. Permettez-moi, je vous en remets d'autres. Ah, merci. Je casse, là, on le sent, là. Je fais mon possible. Saint-Basile-le-Grand, 269 592. Merci, c'est gentil. Saint-Charles-sur-Richelieu, 41 888. Saint-Denis-sur-Richelieu, 56 790. Saint-Jean-Baptiste, 57 955. Saint-Marc-sur-Richelieu, 48 555. Et Saint-Mathieu-de-Belleuil, 79 718. Pour le montant de 2 948 802, établi aux prévisions budgétaires 2023 et qui touche le traitement des matières organiques par la CEMEX, qui est assumé par les 13 municipalités de la MRC. Donc, c'est selon le nombre d'unités d'occupation déclarées par chacune. Les montants sont les suivants. Belleuil, 603 624. Carignan, 255 333. Chambly, 663 003. McMasterville, 148 234. Mont-Saint-Hilaire, 388 884. Pour pas avoir le fou rire, là. Vous êtes presque rendu. Allez, merci. On est derrière vous. Merci. Ottoman Park, 188 342. Saint-Antoine-sur-Richelieu, 40 594. Saint-Basile-le-Grand, 366 373. Saint-Charles-sur-Richelieu, 41 350. Saint-Denis-sur-Richelieu, 60 405. Saint-Jean-Baptiste, 80 972. Saint-Marc-sur-Richelieu, 50 149. Saint-Mathieu-de-Belleuil, 61 539. Et que les sommes non payées à compter du 31e jour de l'envoi de la facture par la greffière trésorière portent intérêt au taux mensuel de 1 %. Oui. Je m'applaudis moi-même. Moi, j'aimerais proposer, mais je pense qu'on n'y a même pas donné le temps de reprendre son souffle en proposant pour les cours d'eau juste avant. Il y a comme un moment où on n'a pas de proposeur à appuyer. On n'a pas proposé individuellement. Je pense. On va reprendre son souffle maintenant. Parti. Je me permets de proposer le dernier bloc, mais peut-être qu'il faut remonter. Je pense qu'il y a deux blocs où on manque. Deux ou trois blocs. En fait, pour la troisième partie du budget,
toutes les municipalités peuvent, sauf Chambly, Saint-Basile et Saint-Antoine. Donc, j'ai M. Bousquet et... Je regarde M. Bertium. Oui? OK. Bousquet et Bertium. Parfait. Merci. Oui, lorsqu'elle a vu le montant de Saint-Basile. J'ai remarqué. C'est le montant. Hein? C'est frappant. La deuxième, c'est toutes les municipalités qui peuvent... La deuxième? Oui. C'est pas les 10? C'est pour la deuxième, c'est les cours d'eau. OK. Donc, tout le monde peut. J'ai M. Chalifou. OK. je commençais. Là. Moi, je propose Mme Labbé. C'est moi, je fais la dernière. Non, c'est de son voisin. Il avait mis la main, M. Marquez. Et puis là, ça, c'est proposé par Mme Peut-être Labbé. Peut-être que vous pouvez m'appuyer, M. Guertin. Et appuyé par M. Guertin. Merci. Super. Vous avez livré, vraiment. Merci, Maître Amel. On va vous donner une pause pour le restant. Donc, pour le 6.2, entretien de l'ascenseur du siège social de la MRC de la Vallée du Richelieu, renouvellement du contrat. Puis je vais demander la collaboration de Mme Lucier. Oui, moi, il va être court. Il va être plus court, oui. Effectivement. La MRC de la Vallée du Richelieu souhaite retenir les services de l'entreprise pour l'entretien de l'ascenseur de son siège social situé au 255 Boulevard Laurier, Bureau 100, McMasterville, Québec. Et ce, pour un contrat de 5 ans couvrant la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2027. À l'effet qu'il y a lieu d'octroyer le contrat à Service Maxi Ascenseur et Monte-Charge Inc., ayant soumis une offre de service au montant de 5 947,20 taxes incluses, avec indexation annuelle en décembre de chaque année, le tout conforme aux règles numéro 82-19 relatifs à la gestion contractuelle, au règlement numéro 66-16, décrétant les règles de contrôle de suivi budgétaire et au Code municipal du Québec, attendu que le conseil, que les membres du conseil de la MRC ont pris connaissance du contrat à intervenir et s'en déclare satisfait. Donc, je propose d'octroyer le contrat d'entretien de l'ascenseur au siège social de la MRC de la Vallée du Richelieu, situé au 255 Boulevard Laurier, Bureau 100. McMasterville, à Maxi Ascenseur et Monte-Charge, au montant de 5 947,20 taxes incluses, et ce, pour une durée de 5 ans, couvrant la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2027, que le contrat soit indexé annuellement au mois de décembre de chaque année, et d'autoriser Mme Yveline Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu, le dit contrat, ainsi que tout document utile ou nécessaire à cette fin. Donc, Mme Lucier et M. Lessard, merci. On poursuit au point 6.3, adoption de la grille tarifaire 2023 relative à des services de collecte adaptés offerts aux établissements du secteur industriel, commercial et institutionnel des territoires desservis par la MRC de la Vallée du Richelieu. M. Guertin? Oui, alors c'est un peu administratif comme résolution. Vous aurez compris que la MRC de la Vallée du Richelieu a déclaré compétence en gestion des matières résiduelles et elle le fait au nom de plusieurs municipalités de la Vallée, soit Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Tobern Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc et Saint-Mathieu de Belleuil. Donc, en fait, cette compétence vise notamment la collecte, le transport puis le conditionnement des matières recyclables, des matières organiques, puis des déchets ultimes. En fait, ça vise plus systématiquement les services offerts aux résidences et il y a quelques exceptions, notamment des habitations saisonnières, des entreprises, des places d'affaires, des institutions à but lucratif et d'autres types de milieux.
Puis pour desservir, en fait, et assumer cette compétence-là, la MRC offre des contrats à des entreprises spécialisées. Et ces contrats visent notamment bien la collecte des résidences qu'on vit à tous les 3 semaines ou 2 semaines, tout dépendant des collectes. Mais ça peut aussi desservir le secteur industriel, commercial et institutionnel, puis les logements multiples. Donc, toutefois, la MRC qui offre ce service-là ne peut pas facturer directement ces commerces-là qu'elle peut desservir par des contrats spécifiques et doit notamment passer par l'entremise des municipalités pour que les entreprises qui lui demandent puissent payer leur juste part pour ces services-là. Donc, il est convenu pour s'assurer de couvrir tous les frais des contrats que la MRC engendre pour desservir certains commerces qu'elle ne peut pas facturer directement, bien, d'établir une grille de tarifs pour que tout le monde paye sa juste part et que ça soit uniforme entre toutes les municipalités. Alors, en gros, je vous propose une grille de tarifs pour que toutes les municipalités facturent ces services-là aux différents bénéficiaires à leur juste part. Alors, je propose que la grille relative aux tarifs pour l'année 2023 des services supplémentaires pour les secteurs industriels, commercial et institutionnels desservis sur le territoire des municipalités des villes concernées par les compétences de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, soit Belœil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Auburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Belœil soit et adopté tel que déposé. Merci, M. Gertin. Donc, vous en faites la proposition. Vous êtes vraiment timé à vous en même temps. Donc, je vais y aller avec Mme Lucier. C'est bon, merci. On va poursuivre au point 6.4 avec la FQM Assurance Incorporée, renouvellement du contrat d'assurance de dommages pour l'année 2023. M. Dulac, si vous voulez bien prendre lecture. Merci, Mme la préfète. Donc, effectivement, par cette résolution, il s'agit de maintenir en vigueur le contrat d'assurance de dommages afin d'assurer les risques de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Alors, la résolution se lit comme suit. Entendu que la MRC de la Vallée-du-Richelieu doit maintenir une assurance de dommages en vigueur afin d'assurer une protection adéquate de ses activités et de ses actifs. Entendu que la MRCVR a reçu une offre de renouvellement de la police d'assurance de dommages de FQM Assurance pour l'année 2023, entendu qu'il y a lieu de renouveler la police d'assurance de dommages pour l'année 2023 afin d'assurer les risques de la MRCVR. Il est donc proposé par moi-même, Martin Dulac, d'accepter l'offre de la FQM Assurance au montant de 60 744,61 $. Taxe incluse pour le renouvellement de la police d'assurance de dommages de la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour l'année 2023, laquelle couvre la période du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023, et que la directrice du service des ressources financières et matérielles soit autorisée à faire tous les changements jugés utiles et nécessaires dans le cadre de ce renouvellement, le cas échéant. Merci, M. Dulac. Vous êtes appuyé par M. Lessard. C'est bon pour tout le monde? Oui. On poursuit au 6.5 avec Programme Réno-Région de la Société d'habitation du Québec, établissement de la valeur uniformisée maximale pour l'admissibilité d'un logement. Et je vais demander le soutien de Mme Viau. Avec grand plaisir, je vais prendre un petit instant simplement pour présenter en fait le Programme Réno-Région qui s'adresse principalement à préserver l'occupation et la vitalité des territoires ruraux en assurant la disponibilité et la pérennité du parc de logements privés. Donc, c'est un enjeu qui est très actuel. Le programme Réno-Région est supporté par la Société d'habitation du Québec depuis quelques années. Par contre, dans la dernière année, il y a eu des modifications importantes là, dans la révision majeure là, du programme en tant que tel. Et comme partenaire, la MRC se doit d'adopter une résolution, en fait, pour déterminer la valeur uniformisée maximale admissible d'un logement sur le territoire de la MRC. Donc, c'était le petit contexte. Le programme vise, en fait, à réduire les cas de défectuosité majeure des logements concernés afin d'en assurer l'intégrité fonctionnelle. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de maintenir un parc immobilier locatif intéressant et important dans les espaces ruraux de la MRC de la Vallée-du-Richelieu.
Donc, dans ce contexte, il est attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu a adhéré au programme Réno-Région de la Société d'habitation du Québec, que le programme a fait l'objet d'une révision majeure au cours de la dernière année, et que pour mettre en application les nouvelles normes du programme, tous les partenaires municipaux qui participent au programme doivent adopter une résolution établissant la valeur uniformisée maximale admissible sur le territoire, laquelle ne peut excéder 150 000 $. Il est attendu qu'il y ait lieu pour la MRC de répondre favorablement à cette exigence de la Société d'habitation. Je propose donc d'établir, dans le cadre du programme Réno-Région pour la Société d'habitation du Québec, la valeur uniformisée maximale admissible d'un logement sur le territoire de la Vallée du Richelieu à un montant de 150 000 $. D'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu tout document utile ou nécessaire à cette fin. Merci, Mme Biot. Donc, vous proposez, est-ce que j'ai un appuyeur? M. Dulac, merci. Donc, nous passons au point 6.6. Réseau des transports métropolitains EXO, prolongation du bail de location. Et je vais demander l'aide de ma collègue de Chambly, Mme Labbé. Oui, merci beaucoup, Mme Nadeau. Donc, il est entendu que le réseau de transports métropolitains, soit EXO, occupe actuellement des locaux au sein du siège social de la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, ici même dans les bureaux, au terme d'un bail de location qui a été signé le 30 avril 2019, dont l'application était rétroactive au 1er février 2019, est entendu que, avant l'échéance de ce bail prévu le 31 mai 2021, EXO et la MRCVR ont signé une convention de modification de bail pour prolonger celui-ci d'une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 mai 2022, avec deux options de renouvellement de 6 mois chacune. Donc, ça pouvait mener jusqu'au 31 mai 2023. EXO s'est prévalu des deux options de renouvellement et que le bail est actuellement en vigueur et vient à échéance le 31 mai 2023. Donc, il est attendu aussi qu'EXO souhaite prolonger le bail d'une année supplémentaire, soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, avec deux options de renouvellement, une première couvrant une période de 7 mois, donc du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024, et une deuxième couvrant une période de 6 mois, soit du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025. Donc, attendu que l'article 15 du dit bail permet, nonobstant la durée du bail, de le modifier en partie par écrit, et qu'à l'exception de la durée du bail, les options de renouvellement et le loyer, toutes les autres dispositions prévues à celui-ci demeurent inchangées. Donc, je propose que le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu soit et est favorable à la prolongation du bail intervenu entre la MRC et le réseau de transport métropolitain, EXO, le 30 avril 2019, incluant les modifications y étant été apporté, lequel vient à échéance le 31 mai 2023, le tout aux mêmes termes et conditions, à l'exception de la durée du bail, des options de renouvellement et du loyer, que le dit bail soit prolongé pour une année supplémentaire, donc du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, avec deux options de prolongation, telles que je l'ai expliqué plus tôt, et d'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière de la MRC, à signer pour et au nom de la MRC tout document utile ou nécessaire à cette fin. Merci, Mme Labbé. Vous avez le soutien de M. Gertin? Oui? C'est bon, je vous remercie. Nous passons au point 6.7. Ça consiste à la détermination des montants réservés à des fins particulières excédant de fonctionnement affecté. Donc, la MRC de la Vallée du Richelieu peut, en vertu du principe énoncé au manuel de la présentation de l'information financière municipale, affecter une partie de l'excédent de fonctionnement à des fins particulières et en réserver les montants de façon formelle, nommés excédent de fonctionnement affecté. Ce principe s'appuie sur les normes décrites dans le manuel de comptabilité du CPA Canada pour le secteur public tel qu'établi par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de CPA Canada. Cette pratique permettra une gestion financière et un suivi mieux adapté à la situation de la MRCVR. Il y a lieu de déterminer précisément ces fonds à titre d'excédent de fonctionnement affecté. Donc, si vous êtes en accord, collègues, que la MRC de la Vallée du Richelieu détermine à titre d'excédent de fonctionnement affecté les fonds suivants.
fonds pour la mise en œuvre du plan de développement du réseau de mobilité active. Le montant s'élève à 250 000. Fonds de développement des communautés. Le montant s'élève à 110 000. Fonds pour le programme Vitalité rurale, 215 800. Fonds d'appui à l'entrepreneuriat, bon, le montant s'élève à 30 000. Fonds d'appui à l'entrepreneuriat collectif, 26 145. Fonds pour le programme d'innovation dans le secteur manufacturier, 48 360. Fonds de microcrédit agricole, incluant un montant de 5 000 $ reçu de financement Agricole Canada. Le montant se totalise à 45 000 pour un montant global de 725 305. Donc, si vous êtes en accord, collègues, les sommes déterminées pour l'établissement de ces fonds nommés excédents de fonctionnement affectés proviennent de l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'ai Mme Lucie et M. Lessard. Comment ça va être tard un peu? Merci. Donc, on poursuit avec les bordereaux des comptes à payer. Donc là, c'est à mon tour de lire plus de chiffres, Maître Hamel. Donc, le montant concernant les services d'évaluation des municipalités régies par le Code municipal du Québec, le montant s'élève à 28 743,75 sous. Donc, si vous êtes en accord, j'aurais besoin de ceux qui font partie du Code. Oui, M. Teasdale et Mme Lucier, merci. L'autre montant s'élève à 199 936,40 sous relatif aux dépenses concernant la collecte des matières recyclables. Donc, évidemment, c'est tous sauf Chambly et Saint-Basile-le-Grand. Est-ce que j'ai un... Ah! Ah! J'ai cru voir ça, là. Donc, Mme Villeneuve et M. Chalifou, merci. On poursuit le montant de 337 592,61 sous relatif aux dépenses concernant la collecte des matières ultimes. Donc, c'est tout sauf Chambly et Saint-Basile-le-Grand. Est-ce que j'ai un proposeur? Vous avez vu prendre vos lunettes, M. Dulac, j'ai failli vous nommer. Donc, M. Monsieur... D'accord, merci, M. Dulac et Mme Viau, merci. Je poursuis avec le montant de 157 854,91 sous relatif aux dépenses concernant l'éco-centre régional. Donc, ça concerne nous tous. Oui, j'ai M. Bousquet qui lève la main. Et puis, c'est sauf Chambly, Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Basile-le-Grand. Donc, j'ai Mme Lucier, je vous remercie. L'autre montant concerne la collecte des matières organiques. Donc, c'est pour l'ensemble des municipalités et villes de la MRC. Le montant s'élève de 159 946,44 sous. Est-ce que j'ai des proposants? Oui, Mme Labbé. Monsieur Teasdale, merci. L'autre montant concerne les dépenses concernant la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud et le montant est de 245 639,80 sous. Et tous participent. Madame Villeneuve, merci. Et M. Gartin. Ah, M. Gartin, c'est bon. En fait, que je vous garde. Il nous reste deux dépenses. Donc, pour l'Office régional d'habitation de la vallée du Richelieu, le montant s'élève à 4 522,10 sous. Donc, c'est sauf Chambly, Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu. Monsieur Gertin et Madame Lucier, merci. La dernière dépense est assumée par l'ensemble des municipalités de la MRC de la vallée du Richelieu et le montant s'élève à 503 089,65 $. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Marquez et M. Bousquet. Ah, c'est bon. C'est bon, Maître Hamel? Oui. Vous êtes plus vite que moi sur le piton. Donc, on poursuit au point 7, comité de la MRC VR. Donc, c'est pour l'adoption du compte-rendu de la rencontre du 24
août 2022 du comité sur les investissements. Donc, vous avez pris lecture, collègues, et puis il y a aussi le compte-rendu de la rencontre du 24 août 2022 du comité sur les investissements est maintenant remplacé par le comité sur les aides financières. Donc, il faut qu'il soit adopté. Donc, j'ai besoin de Mme Viau et Mme Labbé. Merci. Donc, nous sommes rendus au point 8, aménagement du territoire et mobilité. 8.1, ministère de l'Énergie et des ressources naturelles, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Dossier 43-85-82, Saint-Antoine-sur-Richelieu. Donc, M. Chalifoux, je vous laisse le micro. Bonsoir à tous. Pour faire un résumé, bref résumé, après ça, je vais aller les attendus, c'est qu'on a un puits de gaz de schiste là, qui avait été fait il y a quelques années, puis le ministère fait les suivis là-dessus. Fait qu'il va y avoir une demande à CPTAC pour pouvoir faire un puits d'observation pour pouvoir regarder tout ça. Attendu que le gouvernement du Québec, par l'adoption de la loi visant principalement à mettre fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures, de même qu'au financement public de ses activités, a édicté la loi mettant fin à la recherche d'hydrocarbures ou de réservoirs souterrains à la production d'hydrocarbures et à l'exploitation de la saumure, laquelle est entrée en vigueur le 23 août 2022. Entendu qu'en vertu de la LMF, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles doit réaliser des études hydrogéologiques et mettre en œuvre un programme de suivi de la qualité de l'eau des puits forés pour la recherche d'hydrocarbures. Attendu pour ce faire, des puits d'observation doivent être forés dans un rayon de 200 mètres des puits forés pour la recherche d'hydrocarbures. Attendu qu'un puits pour la recherche d'hydrocarbures existe sur le lot numéro 4833-156 à Saint-Antoine-sur-Richelieu, lequel est situé en zone agricole et que des puits d'observation doivent être forés dans un rayon de 200 mètres. Attendu que le ministère a adressé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande d'autorisation pour l'utilisation à une autre fin, autre que l'agriculture, des lots numéros 4833-156, 4833-155, 4833-060, 4833-504 et 4833-505, soit spécifiquement pour l'aménagement de puits d'observation et d'activités de suivi de la qualité de l'eau souterraine sur une superficie de 12,57 hectares. Attendu que la CPTAC sollicite la recommandation de la MRC de la vallée du Richelieu en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles quant à la demande présentée par le ministère. Attendu que la demande est conforme au schéma d'aménagement et de développement de la MRC ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Attendu, compte tenu de la nature de la demande, il n'existe pas d'autre emplacement de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture. Attendu que le ministère s'engage à démanteler les puits d'observation et à remettre en état les lieux au terme de la période de suivi de la qualité de l'eau. En conséquence, il est proposé et résolu d'appuyer la demande d'autorisation pour l'utilisation à une autre fin que l'agriculture présente par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, dossier 43-85-82, pour les fins d'aménagement de puits d'observation et d'activités de suivi de la qualité de l'eau sur les lots 4833-156, 4833-155, 4833-060, 4833-504 et 4833-505 d'une superficie de 12,57 hectares à Saint-Antoine-sur-Richelieu, de recommander favorablement à la Commission de protection du territoire agricole d'autoriser la demande, puisqu'elle ne contrevient pas aux orientations, objectifs et critères du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la vallée du Richelieu, mis aux dispositions du document complémentaire. J'en fais la proposition. Merci, M. Chalifoux. Oui, j'ai M. Bousquet qui vous appuie. C'est bon pour tout le monde? Donc, nous continuons avec le point 8.2. Ça concerne le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, dossier 43-85-81, et c'est Saint-Denis-sur-Richelieu. Donc, je vais demander votre participation, M. Bousquet. Certainement, Mme la préfète. Vous comprendrez, c'est exactement la même résolution que mon collègue de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Il s'agit d'un puits un puits de gaz de schiste qui est sur le territoire de Saint-Denis-sur-Richelieu. Et il y a des demandes actuellement pour pouvoir, par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles,
pour faire le suivi en faisant des forages pour regarder la qualité de l'eau. Alors, je vais lire les articles que mon collègue qui s'applique à Saint-Denis-sur-Richelieu, le reste est tel quel que mon collègue a lu tantôt. Alors, attendu qu'un puits pour la recherche d'hydrocarbures existe sur le lot 3 698 670 à Saint-Denis-sur-Richelieu, lequel est situé en zone agricole et que des puits d'observation doivent être forés dans un rayon de 200 mètres, attendu que le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles a adressé à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec une demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture des lots 3 698 670, 3 698 660 et 3 408 017, soit spécifiquement pour l'aménagement de puits d'observation et d'activités de suivi de la qualité de l'eau souterraine sur une superficie de 12,57 hectares. C'est le dossier 43-85-81. Alors, et attendu que la MRC a été sollicitée pour avoir un avis, une recommandation, puis attendu que c'est conforme au schéma d'aménagement, et qu'il n'y a pas d'autre espace pour faire ces observations qu'à cet endroit-là. Alors, le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles s'engage à démanteler les puits d'observation et à remettre en état les lieux au terme de la période de suivi de la qualité de l'eau. Alors, je propose d'appuyer la demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture présentée par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, le dossier 43-85-81, pour les fins d'aménagement de puits d'observation et d'activités de suivi de la qualité de l'eau sur les lots numéro 3 698 670, 3 698 660 et 3 408 017. D'une superficie de 12,57 hectares à Saint-Denis-sur-Richelieu. De recommander favorablement à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'autoriser la demande puisqu'elle ne contrevient pas aux orientations, objectifs et critères du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la vallée du Richelieu, ni aux dispositions du document complémentaire. Merci, M. Bousquet. Vous êtes appuyé par M. Lessard. Ah! Monsieur Chalifou aussi. Donc, oui, je comprends. Alors, mettez les deux. Monsieur Chalifou, Maître Amel, c'est bon. Merci. On est solidaires dans la vallée. Oui, bien oui. C'est oui. Donc, nous sommes au point 8.3. Oui. Donc, cela concerne le contrôle intérimaire visant à interdire l'implantation ou l'accroissement de centres de gestion, de traitement, de production, d'entreposage de données ou de minage des crypto-monnaies jusqu'à l'établissement d'un cadre réglementaire régional inscrit au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la vallée du Richelieu. Et je vais demander la collaboration de M. Teasdale. Merci. Merci, Mme la préfète. Bien, comme vous l'avez mentionné, il y a la société évolue, puis il y a de nouvelles entreprises là, qui voient le jour. Et ça arrive en même temps que nous, ici, à la MRC de la vallée du Richelieu, nous sommes en révision du schéma d'aménagement. Donc, ces nouvelles entreprises-là qui, éventuellement, voudraient s'installer sur notre territoire ont possiblement un impact sur notre schéma d'aménagement. Alors, la MRC désire prendre un temps d'arrêt pour vraiment là, évaluer les impacts de ces nouvelles entreprises-là sur notre territoire. Alors, c'est pour ça que ce soir, on parle d'un règlement de contrôle intérimaire qui concerne spécifiquement ces entreprises-là. Alors, attendu la multiplication des centres de gestion, de traitement, de production ou d'entreposage de données ou de minage des crypto-monnaies sur le territoire québécois, attendu que ce type d'usage comporte des nuisances et des contraintes environnementales, notamment en matière de bruit et de consommation énergétique, attendu qu'il y a lieu d'interdire l'implantation ou l'accroissement de ce type d'usage jusqu'à l'établissement d'un cadre réglementaire régional inscrit au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la vallée du Richelieu,
attendu que le 21 mai 2020, la MRC a adopté la résolution numéro 20-5-242 afin d'amorcer la révision de son schéma d'aménagement conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu qu'un avis de motion est donné en vue de l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire visant à interdire l'implantation ou l'accroissement de centres de gestion, de traitement, de production ou d'entreposage de données ou de minage de crypto-monnaies jusqu'à l'établissement d'un cadre réglementaire régional inscrit au schéma d'aménagement de la MRC, et attendu que la MRC veuille adopter une résolution de contrôle intérimaire conformément à l'article 62 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, je propose de décréter par résolution un contrôle intérimaire qui suit. Alors, est-ce que, Maître Amel, je dois lire tout le... Oui? OK. Un petit verre d'eau proche. Donc, à l'article 1, le préambule de la présente résolution fait partie intégrante. À l'article 2, le territoire et domaine d'application. Donc, les dispositions de la présente résolution s'appliquent à l'ensemble du territoire de la MRC de la vallée du Richelieu et visent à interdire l'implantation ou l'accroissement de centres de gestion, de traitement, de production ou d'entreposage de données ou de minage des crypto-monnaies exercées à titre d'usage principal ou accessoire jusqu'à l'établissement d'un cadre réglementaire régional inscrit au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la vallée du Richelieu. Article 3, au niveau de la terminologie. Pour les fins d'application de la présente résolution, la terminologie suivante s'applique. Centre de gestion de traitement de production ou d'entreposage de données ou de minage de crypto-monnaies, ça veut dire quoi? Ça veut dire un lieu physique où sont regroupés et entreposés différents équipements électroniques ou informatiques, notamment des serveurs informatiques, des ordinateurs centraux, des équipements de stockage de données. Ces lieux offrent un service de traitement et ou de production et ou d'entreposage de données. Plus particulièrement, ils servent notamment à emmagasiner les informations nécessaires aux activités d'une entreprise tout en offrant une mutualisation d'un service d'hébergement des données à plusieurs entreprises dans un même endroit. Deuxièmement, à offrir un service de registre de transactions, de stockage et de transmission d'informations en utilisant la technologie de la chaîne de blocs qui sert, entre autres, à soutenir le minage de la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'on entend par chaîne de blocs maintenant? C'est une base de données distribuée et sécurisée dans laquelle sont stockées chronologiquement sous forme de blocs liés les uns aux autres des transactions successives effectuées entre ses utilisateurs depuis sa création. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie maintenant? C'est une monnaie virtuelle utilisée pour des échanges de biens ou de services de pair à pair, généralement de manière indépendante du système bancaire ou de toute politique monétaire et dont l'émission et les transactions reposent sur la technologie des chaînes de blocs. On parlait de minage. Maintenant, c'est quoi? C'est une opération qui repose sur un mécanisme de validation et qui permet l'ajout de blocs à un réseau de crypto-monnaies en échange d'une prime de minage. Pour ce qui est de l'usage principal, bon, on entend par fin principale à laquelle un terrain, un bâtiment, une construction ou une de leurs parties est utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée. Et pour les usages accessoires, c'est un usage qui s'ajoute à un usage principal qui en constitue le prolongement normal et logique et qui est exercé sur un même lot ou un terrain que ce dernier. L'article 4, quelles sont les interdictions que l'on vise? C'est sur l'ensemble du territoire de la MRC de la vallée du Richelieu est interdit l'implantation ou l'accroissement des activités d'un centre de gestion, de traitement, de production ou d'entreposage de données ou de minage de crypto-monnaies exercées à titre d'usage principal ou accessoire. Et à l'article 5, quelle est la date d'entrée en vigueur? Donc, la présente résolution entre en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, je fais le dépôt d'un avis de motion qui est présenté par moi, Normand Teasdale, à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil de la MRC de la vallée du Richelieu, un règlement de contrôle intérimaire visant à interdire l'implantation
ou l'accroissement de centres de gestion, de traitement, de production ou d'entreposage de données ou de minage des crypto-monnaies jusqu'à l'établissement d'un cadre réglementaire régional inscrit au schéma d'aménagement et de développement de la MRC sera présenté pour adoption. Donc, l'avis de motion est déposé. Oui. Maintenant, également, moi, Normand Tisdale, je présente et dépose aux membres du Conseil le projet de règlement de contrôle intérimaire numéro 91-22 visant à interdire l'implantation ou l'accroissement de centres de gestion, de traitement, de production ou d'entreposage de données ou de minage des crypto-monnaies jusqu'à l'établissement d'un cadre réglementaire régional inscrit au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la vallée du Richelieu. Merci, M. Tisdale. C'était une bonne aussi. Oui, donc vous avez donné l'avis de motion. Vous proposez, donc j'ai besoin. Oui, Mme Labbé. Merci. Le point 8.4 est retiré. Donc, nous passons tout de suite au 8.5, avis de conformité, règlement d'urbanisme. Au point 8.5.1, ville de Carignan, règlement numéro 483-24-U, modifiant le règlement de zonage numéro 483-U, centre sportif et correctif, zone P-364. Monsieur Marquez, c'est chez vous. Donc, oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Donc, principalement, le règlement pour objet de limiter à un étage la hauteur des bâtiments et des constructions accessoires résidentielles et d'ajouter une norme particulière d'interdiction de sous-sol dans un secteur spécifique. Par ailleurs, la Ville désire autoriser l'implantation d'un centre sportif et de procéder à certains ajustements afin de mieux encadrer les constructions de bâtiments. Donc, le règlement touche plusieurs zones sur le territoire de la Ville de Carignan. Et je fais lecture de la résolution. Attendu que la Ville de Carignan, par sa résolution 2210-397, a adopté le règlement numéro 423-24-U, modifiant le règlement de zonage 483-U. Attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Attendu que ce règlement pour objet de procéder à certains ajustements afin de mieux encadrer les constructions de bâtiments dans le secteur centre et d'autoriser l'implantation d'un centre sportif. Attendu qu'à la suite de l'étude de ce règlement, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC recommande au Conseil de l'approuver. Attendu que le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement est conforme au schéma d'aménagement. Je propose que le règlement numéro 483-24-U, modifiant le règlement de zonage 483-U de la Ville de Carignan, soit et approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, M. Marquez. Vous êtes appuyé par votre voisine, Mme Labbé. À l'intérêt. Mais... Son centre sportif. Exactement, partage. Merci. Donc, nous poursuivons au point 8.5.2, ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, les trois prochains points vont être lus par M. Gertin. Donc, le premier 8.5.2.1, c'est le règlement numéro 1235-22, amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin de modifier la marge arrière minimale pour la zone A, non, H. Je voulais voir si vous suiviez. H-89. Oui. Alors, merci, Mme la préfète. Pour ceux qui se demandent où se situe la zone en question, bien, c'est sur la rue Fortier, le long de la rue Fortier, en dessous de la rue Campbell. Donc, bien, c'est ça. Alors, on a modifié notre règlement de zonage. Puis, conformément au règlement de la MRC, en fait, ceci a analysé la pertinence et la validité dudit règlement et qui vise notamment à réduire la marge arrière pour cette zone-là. Bon, alors, suite à l'étude du règlement, le département d'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRC, bien, le recommande, ou du moins recommande son approbation. Alors, le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement numéro 1235-22 est conforme au schéma d'aménagement et de développement de la MRC ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, je propose que le règlement numéro 1235-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1235 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, M. Gertin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. Dillac.
Merci. Donc, on passe au point 8.5.2.2, règlement numéro 1235-23, amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin d'abroger l'article 358 et de modifier la grille des modifications de la zone H-21 pour ajouter plusieurs normes spécifiques relatives aux marges, au rapport et à la hauteur des bâtiments. Monsieur Gertin? Oui, alors on se trouve maintenant au cœur du quartier qu'on appelle le village de la gare. Donc, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a adopté une résolution puis un règlement modifiant, en fait, le règlement de zonage. Puis, bien, encore une fois, ce règlement a été soumis à la MRC, puis conformément à ses compétences, bien, elle en a fait l'analyse. Comme je vous disais, bien, en fait, c'est toutes des normes relatives, là, aux marges par rapport à la hauteur des bâtiments. Il faut comprendre qu'on était dans un secteur régi par un plan d'aménagement d'ensemble, puis ça nous semblait plus approprié de clarifier certaines normes. Donc, suite à l'étude du règlement, le département d'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRC recommande au conseil de l'approuver. Puis le conseil de la MRC est d'avis que le règlement numéro 1235-23 est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, je propose que le règlement numéro 1235-23 modifiant le règlement de zonage numéro 1235 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, M. Gertin. Oui, j'ai M. Bousquet. Excusez. M. Bousquet, merci. On poursuit au point 8.5.2.3, règlement numéro 1235-24, amendant le règlement de zonage numéro 1235, afin d'ajouter une définition et une nouvelle annexe cartographique dans le but de clarifier l'application des dispositions particulières s'appliquant à proximité d'une emprise ferroviaire autour de la gare de triage du chemin Benoît. Monsieur Gertin. Oui, alors on a fait de durs apprentissages suite au drame du lac Mégantic puis du déraillement de train. Alors, il y a de nouvelles dispositions qui sont rentrées en vigueur, puis ces dispositions-là se retrouvent notamment dans le schéma d'aménagement. Puis la Ville de Mont-Saint-Hilaire, bien, a récemment adopté un règlement modifiant son règlement de zonage, notamment pour se conformer à certaines dispositions qui étaient prévues dans le schéma d'aménagement. Donc, comme tout règlement, il doit être analysé par la MRC. Et le règlement est relativement simple. C'est juste un règlement qui vise à clarifier, en fait, certaines définitions puis à produire des annexes cartographiques de façon à ce que l'emprise ferroviaire puis la gare de triage qui se trouve à Mont-Saint-Hilaire soit plus facilement identifiable. Alors, suite à l'étude du règlement par le département de l'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRC, bien, celui-ci recommande au conseil de l'approuver. Puis, bien, le conseil est d'avis que le règlement est conforme au schéma d'aménagement ainsi qu'aux dispositions du document réglementaire complémentaire. Alors, je propose que le règlement 1235-24 modifiant le règlement de zonage numéro 1235 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci beaucoup, M. Gertin. Donc, oui, j'ai M. Lessard. Je vous garde, Mme Villeneuve. Merci. Donc, nous sommes rendus au point 8.5.3. Cela concerne la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Pour le règlement numéro 2009-003-07, modifiant le règlement de lotissement numéro 2009-003 concernant la norme applicable au frontage minimal dans la zone R-11. Monsieur Chalifou, à vous. Oui, rebonsoir. En réalité, c'est de réduire le frontage là, des lots dans la zone R11. Là, on avait une norme à 23 mètres, on descend à 18 mètres. Là. Attendu que la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, par la résolution numéro 2022-10-334, a adopté le règlement numéro 2009-003-07, modifiant le règlement de lotissement numéro 2009-003. Attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu selon le règlement numéro 88-22 régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi. Attendu que ce règlement a pour but de modifier les usages autorisés dans la zone CA-10. Attendu qu'à la suite de l'étude de ce règlement, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC recommande au conseil de l'approuver. Attendu que le conseil de la MRC est d'avis que le règlement numéro 2009-003-07 est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.
En conséquence, il est approuvé et résolu que le règlement numéro 2009-03-07 modifié à le règlement de lotissement numéro 2009-03 de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu soit et approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. J'en fais la proposition. Merci, M. Chalifou. Je regarde du côté de votre... Oui, Mme Villeneuve, merci. Donc, mais je vais vous laisser le micro, Monsieur Chalifou, au point 9. Dans le fond, on est dans le développement agricole, culturel, économique, social et touristique. 9.1 culturel et 9.1.1. C'est une demande d'aide financière pour l'année 2023 pour Champdevielle. Oui, attendu que la MRC de la vallée du Richelieu intervienne dans le développement économique et culturel sur le territoire de la vallée du Richelieu. Attendu que l'organisme Champdevielle a déposé pour l'année 2023 une demande d'aide financière dans le cadre de la politique relative à l'aide financière accordée par la MRC au montant de 24 500 $ pour la production d'une étude de provenance, d'achalandage et de retombées économiques portant sur l'édition 2023 du Festival Champdevielle et pour couvrir une partie l'embauche d'une ressource à la coordination afin de poursuivre son développement et maximiser les retombées de ses différents projets. Attendu que le Festival Champdevielle est un événement qui contribue au rayonnement de la région et qui dynamise le milieu de vie rurale du territoire de la MRC depuis près de 10 ans auprès d'une clientèle composée de citoyens et de visiteurs. Attendu que la MRC a prévu des sommes au niveau de la culture pour soutenir les organismes du milieu. Attendu qu'un bilan annuel incluant un rapport budgétaire devra être présenté par l'organisme Champdevielle à la MRC afin que soient évaluées les retombées et l'impact des investissements effectués. En conséquence, est résolu d'accorder pour l'année 2023 une aide financière à l'organisme Champdevielle au montant de 24 500 $ visant à soutenir son étude de provenance, d'achalandage et de retombées économiques et ses efforts de développement. D'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfète, et Évelyne Davignon, directrice générale et greffière et trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la vallée du Richelieu une entente de financement ainsi que tout document nécessaire ou utile à cette fin. J'en fais la proposition. Merci, M. Chalifou. Vous êtes appuyé par M. Bousquet. C'est bon? Tout le monde? Oui? D'accord. On y va au point 9.2, économique. 9.2.1, fonds région et ruralité. Adoption des axes et priorités d'intervention pour l'année 2023. M. Teasdale? Ouais. Quasiment appris au dépourvu. Ouais, ouais. Il y en a d'autres comme ça, je vais prendre là. Ah, okay. C'est pas fini, là. Donc, attendu qu'au mois de mars 2020, une entente relative au Fonds région et ruralité volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, est intervenue entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la MRC de la vallée du Richelieu. Attendu que, conformément à l'article 13.1 de cette entente, la MRC doit établir et adopter ses priorités d'intervention en matière de développement local et régional pour la période 2022-2023. Attendu que, conformément à l'article 13.2 de l'entente, la MRC a adopté par la résolution numéro 20-09-355, lors de la séance du 17 septembre 2020, ses axes et priorités d'intervention pour les années 2021 à 2024, sa politique de soutien aux entreprises et sa politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie. Attendu, les axes et priorités d'intervention et les politiques actuelles de la MRC avaient tous été revus avant leur adoption du 17 septembre 2020. Compte tenu du retour des mandats de développement local et régional à la MRC en janvier 2019 et de l'adoption du plan stratégique de la MRC pour les années 2020 à 2025, attendu que la MRC a, par sa résolution qui porte le numéro 21-11-405, adopté le 24 novembre 2021, adopté et reconduit les axes et priorités d'intervention pour la période 2021-2024, pour la période 2021-2022. Attendu qu'il est recommandé d'adopter et de reconduire les axes et priorités tels qu'ils avaient été déposés et adoptés le 17 septembre 2020, lesquels ont été adoptés et reconduits le 24 novembre 2021. Je ne sais pas si vous suivez, là, mais c'est assez compliqué. Attendu la politique de soutien aux entreprises et la politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie sont d'actualité et ne nécessitent aucune modification.
Attendu que les membres du Conseil de la MRC considèrent qu'il y a lieu d'adopter et de reconduire les axes de priorité 2021-2024, déposés et adoptés lors de la séance du 17 septembre 2020, ainsi qu'adoptés et reconduits le 24 novembre 2021, et conviennent qu'aucune modification n'est requise quant aux politiques précitées, alors je propose d'adopter et de reconduire, à compter du 1er janvier 2023, les axes et priorités d'intervention 2021-2024 actuellement en vigueur, lesquels ont été présentés et adoptés par le Conseil de la MRC par la résolution numéro 20-09-355 lors de la séance du 17 septembre 2020 et ont été déposés et reconduits par la résolution numéro 21-11-405 lors de la séance du 24 novembre 2021, et que la politique de soutien aux entreprises et la politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie sont d'actualité et ne nécessitent aucune modification. Merci, M. Thésdain. Donc, vous êtes appuyé par Mme Viau. C'est bon pour tout le monde? Oui. Nous sommes au point 9.2.2, Fonds de soutien à l'entrepreneuriat, projet recommandé. Nous allons poursuivre avec vous, Mme Viau. Avec plaisir. Donc, très rapidement, en fait, c'est des bonnes nouvelles. La MRC a fait un appel de projet là, cet été. On a profité du fait, en fait, que le ministère des Affaires municipales avait remis un montant là, dans le cadre de la pandémie en soutien à nos entreprises. Et la MRC avait décidé de dédier une partie des montants au fonds de soutien à l'entrepreneuriat. Donc, de ça a découlé, en fait, un appel de projet. Très heureuse d'annoncer à la population que 27 projets ont été déposés. Donc, on peut conclure qu'il y a du dynamisme au niveau de notre entrepreneuriat dans la vallée du Richelieu. Et de ces 27 projets-là, il a fallu faire des choix. Donc, on ne pourrait pas tout retenir. Alors, les projets qui ont été reçus ont été analysés et soumis au comité sur les aides financières, amoureusement appelé le CAF, de la MRC. Donc, c'était le 3 novembre dernier que l'analyse a eu lieu. Et donc, en conséquence, je propose d'accorder une aide financière dans le cadre du Fonds de soutien à l'entrepreneuriat au projet recommandé par le Comité sur les aides financières. Et là, j'aimerais bien nommer les projets, mais on est encore sous le sceau de la confidentialité puisque les ententes ne sont pas encore signées. Donc, je vais avoir le privilège de vous nommer des numéros de projets seulement et des montants. Alors, pour les gens, les entrepreneurs qui attendaient impatiemment ce bout-là, il va falloir retenir le montant, peut-être, qui sait. Donc, on accorde une aide de 5 000 $ un soutien au projet 22FSE-03, un montant de 3 840 $ au projet 22FSE-06, un montant de 4 400 $ au projet 22FSE-07, un autre montant de 5 000 $ au projet 22FSE-08, je vais aller plus vite, 4 800 $ pour le projet 22FSE-11, 5 000 $ pour le projet 22FSE-13, un autre 5 000 $ pour le projet 17, un 3 600 $ pour le projet 18. Donc, vous avez compris, en fait, que le titre du projet, c'est tout le temps 22FSE. Donc, je me permets de ne pas le répéter systématiquement. Un 5 000 $ pour le projet 22. Un autre 5 000 $ pour le projet 23. Et un dernier 5 000 $ pour le projet 24 pour un total de 51 640 $ qui vont être attribués à 11 projets de la MRC. Et donc, je propose d'autoriser Mme Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière de la MRC, à signer pour et au nom de la MRC tout document utile et nécessaire à la mise en œuvre de ces aides financières, de réserver le solde résiduel de l'enveloppe prévue pour le Fonds de soutien à l'entrepreneuriat en 2022 afin de bonifier l'enveloppe prévue pour le programme d'innovation faisant l'objet d'un appel de projet au début de l'année 2023. Donc, je propose. Merci, Mme Viau. Donc, est-ce que nous avons un appuyeur? J'ai M. Marquez. Merci. Au point 9.3, social. Donc, nous y allons avec le 9.3.1, démarche municipalité amie des aînés, qu'on nomme MADA, demande de report d'échéance. Mme Villeneuve, vous êtes notre représentante, donc je vous laisse le micro.
Parfait, merci. Attendu que la demande d'aide financière déposée par la MRC de la Vallée du Richelieu au secrétariat aux aînés pour l'élaboration d'une démarche MADA réalisée conjointement avec 5 municipalités locales qui la composent, soit Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Belleuil, a été acceptée le 22 décembre 2020. Attendu que le calendrier des travaux annexés à cette demande d'aide financière prévoit la fin des travaux pour le 31 janvier 2023. Attendu que la Ville de Saint-Basile-le-Grand et la municipalité de McMasterville se sont jointes à la démarche MADA de la MRC, respectivement en mai et en juin 2022, alors que les travaux étaient déjà débutés. Attendu que l'ajout des deux municipalités à la démarche collective MADA est grandement souhaité, puisqu'il témoigne d'un engouement et d'un engagement des municipalités envers l'amélioration des milieux de vie pour les aînés, mais qu'il entraîne des travaux de consultation et d'appropriation additionnels. Attendu qu'il est opportun de permettre aux municipalités ayant nouvellement adhéré à cette démarche de franchir les étapes nécessaires à l'établissement ou à la mise à jour de leur politique et plan d'action MADA. Attendu qu'en plus de l'augmentation de la charge de travail liée à cette démarche, la MRC de la Vallée du Richelieu rencontre des défis de ressources humaines pendant l'absence de la personne dédiée au bon déroulement de celle-ci. En conséquence, je propose de demander au secrétariat des aînés de reporter l'échéance prévue au calendrier des travaux annexés à la demande d'aide financière liant la MRC dans le cadre de la démarche collective MADA au 30 juin 2023. Merci, Mme Villeneuve. Vous êtes appuyée par M. Lessard. Donc, merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus au point 10, environnement, 10.1, éco-centre régional, compensation financière à la ville de Carignan pour le maintien de certains services en gestion des matières résiduelles, protocole d'entente 2023. M. Guertin. Oui, Mme la préfète. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la MRC s'est dotée d'un éco-centre régional situé à Mont-Saint-Hilaire et que la Ville de Carignan contribue au financement de cet éco-centre régional-là. Toutefois, il faut se souvenir que la MRC avait planifié l'aménagement d'un éco-centre satellite dans la partie sud de son territoire, puis compte tenu, en fait, notamment à cause de la distance entre l'éco-centre régional de la MRC situé à Mont-Saint-Hilaire puis la Ville de Carignan, cette dernière souhaite maintenir certains services de collecte entre-temps, puisque l'éco-centre satellite n'a pas encore été aménagé. Alors, la Ville de Carignan souhaite obtenir une compensation financière de la MRC pour le maintien de ses services et que la MRC convient d'accorder celle-ci pour l'année 2023 jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 67 500 $. Puis, bien, la MRC et la Ville de Carignan ont convenu de cette entente et de ce montant-là sous forme d'un protocole d'entente, puis les modalités et conditions relatives à la compensation financière qui a été demandée et accordée. Alors, les membres du conseil de la MRC ont pris connaissance du protocole d'entente à intervenir entre et s'en déclarent satisfaits. Alors, je propose d'accorder pour l'année 2023 une compensation financière à la Ville de Carignan jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 67 500 $ pour le maintien de certains services en gestion des matières résiduelles, puis d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la MRC de la Vallée du Richelieu et la Ville de Carignan, tel que déposé. Merci, M. Guertin. Oh, pardon, je dois spécifier que c'est vous, Mme la préfète, qui avez le droit de signer le dit protocole, ou Mme Davignon, qui est directrice générale et greffière trésorière, au nom de la MRC. C'est ça. C'est bon, c'est un bel ajout. M. Guertin, vous êtes appuyé par M. Dulac. Donc, c'est bon pour tout le monde? Oui. On poursuit toujours avec vous, M. Guertin, pour le 10.2, contrat de collecte, transport, tri, conditionnement des matières recyclables, prolongation du contrat. Oui. Alors, je vais y aller par une lecture plutôt textuelle de la résolution. Attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu, par sa résolution numéro 17-11-322, a accordé un contrat relatif aux services de collecte, de transport, tri et conditionnement des matières recyclables à Service Matrec Incorporé, ayant depuis été acquis par la société GFL Environnement Incorporé. Ce contrat d'une durée de 3 ans, allant du 1er mai 2018 au
30 avril 2021 prévoyait une possibilité de reconduite pour une période additionnelle de 2 ans, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2023. Pour sa attendu que par sa résolution numéro 20-02-082, la MRC a accepté les modifications apportées à ce contrat par l'addenda numéro 1, prévoyant qu'à la suite de la prolongation pour la période additionnelle de 2 ans, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2023, s'ajoute la possibilité d'une seconde prolongation additionnelle du contrat de 20 mois, soit du 1er mai 2023 au 31 décembre 2024, afin de s'arrimer avec le nouveau programme de la responsabilité élargie des producteurs, qu'on connaît aussi sous le REP. Attendu que le gouvernement du Québec a modifié en 2021 la loi sur la qualité de l'environnement et a abrogé le règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles, puis attendu que le gouvernement du Québec a adopté en 2022 le règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles, attendu que l'application du règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles débutera seulement qu'en 2023 pour s'étendre progressivement à tous les organismes municipaux du Québec d'ici 2025, tandis que pour se conformer à ces modifications législatives, il y a lieu de se prévaloir de la seconde prolongation additionnelle prévue au contrat allant du 1er mai 2023 au 31 décembre 2024. En conséquence, je propose que la MRC de la vallée du Richelieu se prévaut de la seconde prolongation additionnelle d'une période de 20 mois prévue à l'addenda numéro 1 au contrat de collecte, transport, tri, conditionnement des matières recyclables avec GFL Environnement Incorporé, soit du 1er mai 2023 au 31 décembre 2024, et d'aviser GFL Environnement Inc. de l'exercice de cette option de prolongation pour la MRC de la vallée du Richelieu dans le délai imparti. Merci, M. Gertin. Donc, est-ce que... Oui. Ah, non, il se gratte. Ça fait tard. Monsieur Tisdale, merci. Comment ça fait tard? Donc, merci. On poursuit au point 10.3, cours d'eau. 10.3.1, demande d'entretien, branches 5 et 6 du cours d'eau des 30 à Carignan. Monsieur Marquez, si vous pouviez... Si vous pouvez bien faire lecture, s'il vous plaît. Bien sûr. Il s'agit de donner suite à une demande d'entretien reçue pour les branches 5 et 6 du cours d'eau des 30 à Carignan. Donc, principalement, je vous fais lecture de la résolution. Attendu qu'une demande d'entretien des branches 5 et 6 du cours d'eau des 30 situées sur le territoire de la ville de Carignan a été transmise le 9 mai 2022 à la MRC. Attendu que ce cours d'eau est sous la juridiction de la MRC et qu'elle a le devoir de réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux lorsqu'elle est en informée de sa présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. Attendu qu'une inspection de l'état du cours d'eau ait été effectuée par le personnel de la MRC le 10 mai 2022 et que le rapport conclut qu'il est nécessaire de faire une analyse détaillée de la branche 5 et également de la branche 6 du cours d'eau des 30 par des ingénieurs qualifiés. Attendu qu'il y a lieu de mandater le groupe Pleine Terre pour l'analyse du cours d'eau et la préparation du projet d'entretien des branches 5 et 6. Je propose que la MRC de la ville du Richelieu mandate le groupe Pleine Terre afin d'amorcer les démarches relatives à l'entretien des branches 5 et 6 du cours d'eau des 30 situé sur le territoire de la ville de Carignan, le tout selon les frais prévus dans son offre de service datant du 25 septembre 2018 et que Pleine Terre détermine la délimitation établie détaillée des superficies contributives du bassin versant. Merci, M. Marquez. Donc, oui, vous êtes appuyé par M. Gertin. C'est bon, tout le monde? On poursuit notre séance avec le point 10.3.2, demande d'entretien cours d'eau sans nom, numéro 50, toujours à Carignan. M. Marquez, je vous laisse poursuivre. Bien sûr. Donc, c'est la même chose. Encore pour donner suite à une demande d'entretien du cours d'eau, bien là, cette fois-ci, c'est le cours d'eau sans nom.
numéro 50, qui est à Carignan aussi. Donc, c'est une demande qui a été transmise à la MRC par la ville de Carignan le 8 septembre 2022, que ce cours d'eau est sous la juridiction de la MRC et que la MRC a le devoir de réaliser les travaux requis pour établir l'écoulement des eaux normales lorsqu'elle est informée d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. Une inspection a été effectuée le 11 octobre par le personnel de la MRC et le rapport qui en conclut qu'il est nécessaire de faire une analyse détaillée du cours d'eau sans eau numéro 50 par des ingénieurs qualifiés. Donc, la ville de Carignan demande à la MRC de procéder à l'analyse détaillée du cours d'eau sans eau numéro 50 et il y a lieu de mandater groupe pleine terre pour analyser le cours d'eau et préparer le projet d'entretien. Donc, je propose que la MRC de la Vallée du Richelieu mandate groupe pleine terre afin d'amorcer les démarches relatives à l'entretien du cours d'eau sans nom 50 situé à Carignan, le tout sont les frais prévus dans son offre de service datant du 25 septembre 2018 et que groupe pleine terre détermine la délimitation détaillée des superficies contributives du bassin versant. Merci. Vous êtes appuyé par M. Lessard. Oui? M. Lessard. Mais oui. Bon, M. Lessard. Il est nommé. Qui est nommé? Il s'appelle le cours d'eau sans nom. Ah non, il n'y a pas de nom encore. Non, mais il s'appelle le sans nom. Donc, il y a un nom. Ah, le sans nom. Avec une grâce. Ah, avec numéro 50. Parce qu'il y a peut-être un sans nom numéro 49 et un 51 aussi. Oui, dorénavant, il sera le sans nom. Ben c'est ça. Oui. C'est son meilleur marché. On va poursuivre. Il annonce une tempête. 10.3.3, déclaration de compétence à l'égard de la construction de ponceaux dans les cours d'eau et de certains travaux en rive et sur le littoral qui portent un nom ou non. Monsieur Teasdale. Oui, bon. Merci, Madame la préfète. Alors, comme mon vénérable confrère l'a bien expliqué tantôt, là, la MRC a la compétence en ce qui concerne l'écoulement des eaux dans les cours d'eau, mais n'a pas actuellement la compétence en ce qui regarde la construction des différents ponceaux dans les cours d'eau. Et quelquefois, bien, un ponceau peut être la cause d'un mauvais écoulement des eaux. Donc, c'est ce qu'on veut rectifier avec cette résolution-là ce soir. Alors, attendu les articles 678.0.1 et les suivants du Code municipal du Québec, qu'en vertu de l'article 117 du décret 1596-21 du 15 décembre 2021, relatif à la mise en œuvre des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, la construction des ponceaux dans les cours d'eau qui nécessitent pas d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques relève dorénavant des municipalités locales seulement au terme de ce qu'il est convenu d'identifier comme étant le régime transitoire. Attendu, la construction de ces ponceaux est déjà réglementée par la MRC de la Vallée du Richelieu dans son règlement numéro 72-18 relatif à l'écoulement des eaux des cours d'eau du territoire de la MRC en raison du fait qu'elle affecte le libre écoulement des eaux dans les cours d'eau, ce qui est une compétence exclusive des MRC. Attendu que la MRC estime que d'avoir remis cette responsabilité aux municipalités locales sans avoir pris entente au préalable est susceptible d'engendrer des problèmes, notamment d'interprétation, d'application et de responsabilité quant au libre écoulement des eaux dans les cours d'eau, tant pour les administrations municipales que pour la population. Attendu que ce régime transitoire prescrit aussi que seules les municipalités locales puissent délivrer des permis pour certains travaux de stabilisation en rive et littoral, alors que cela pose un problème lorsque la MRC les exécute dans le cadre des travaux d'aménagement ou d'entretien de cours d'eau. Attendu que la MRC estime qu'elle doit reprendre cette compétence qui lui a été retirée par le régime transitoire, afin de maintenir une uniformité de traitement des demandes de permis de construction des ponceaux. Alors, en conséquence, je propose que la MRC de la Vallée du Richelieu déclare sa compétence à l'égard de la construction des ponceaux
dans les cours d'eau. Il y a une petite erreur ici. C'est donc des ponceaux dans les cours d'eau pour l'application de l'article 6 et 7 du règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 de la loi 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, que la MRC de la vallée du Richelieu déclare sa compétence à l'égard des travaux d'un ouvrage de stabilisation en rive et sur le littoral pour l'application des articles 6 et 7 du régime transitoire lorsque ceux-ci sont exécutés dans le cadre de travaux d'aménagement ou d'entretien de cours d'eau ou pour l'enlèvement d'obstructions ou de nuisances au libre écoulement des eaux qui menacent la sécurité des biens ou des personnes, que ces compétences sont exclusives à la MRC de la vallée du Richelieu et à l'égard de toute municipalité locale sur son territoire, que les conditions administratives et financières de l'exercice de cette compétence sur les ponceaux sont celles applicables à la mise en œuvre du règlement numéro 72-18 relatif à l'écoulement des eaux des cours d'eau du territoire de la MRC de la vallée du Richelieu et sur les ouvrages de stabilisation sont celles applicables à la répartition des coûts des travaux de cours d'eau, que chaque municipalité locale a 45 jours à compter de la transmission de la présente résolution pour manifester son accord ou son désaccord quant à la présente déclaration de compétence par résolution de son conseil, à défaut de quoi elle est réputée l'avoir acceptée, que la décision de la municipalité locale vaille pour les deux compétences et soit indivisible, que si une municipalité a manifesté son désaccord, veut par la suite se soumettre à la compétence de la MRC de la vallée du Richelieu, qu'elle puisse le faire en tout temps par résolution, et finalement, que si une municipalité a donné son accord à la présente déclaration de compétence ou qu'elle est réputée l'avoir donnée, elle ne puisse s'en soustraire à l'avenir qu'à compter de 90 jours après la cessation des faits des articles 6, 7 et 117 du régime transitoire. Merci, M. Tisdale. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Mme Villeneuve. Merci. Nous sommes rendus au point 11, sécurité, incendie et civil. Le point 11.1, appui, centre de formation de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, demande de partenariat. Vous faites ça bien, M. Tisdale, donc on va vous laisser continuer pour le prochain point. Alors, donc, comme la plupart des gens le savent, on est en train actuellement de construire une nouvelle caserne à Belœil et attenant à cette caserne, il va y avoir un centre de formation. Alors, c'est intéressant pour l'ensemble de la population de la vallée du Richelieu, mais également pour d'autres partenaires qui viendraient utiliser le centre de formation. Et on fait les démarches pour avoir des subventions pour faire en sorte de diminuer les coûts de construction. Donc, c'est intéressant d'avoir comme appui la vallée du Richelieu dans nos démarches. Donc, par cette résolution-là, on veut vraiment que la MRC soit un partenaire de la Régie pour la création de ce centre de formation. Alors, je vous lis la résolution. Attendu que la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, depuis sa création en janvier 2019, fournit un effort constant pour obtenir de meilleures infrastructures qui seraient pérennes pour sa population et ses partenaires présents, passés ou futurs. Attendu qu'en 2021, la Régie d'incendie a présenté une demande de subvention au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui maintenant s'appelle le ministère des Affaires municipales uniquement, pour le nouveau centre de formation, afin qu'elle obtienne une réponse favorable du ministère en attente d'utilisation des infrastructures du nouveau centre de formation avec des partenaires doit intervenir. Attendu que la signature d'une telle entente, une subvention pouvant atteindre jusqu'à 250 000 $ pourrait être obtenue, attendu que la Régie d'incendie a offert à la MRC un partenariat financier pour le nouveau centre de formation de la Régie d'incendie, attendu que la MRC, en tant que partenaire de ce projet, pourrait bénéficier du centre de formation à la hauteur de ses besoins, attendu qu'il est opportun pour la MRC d'appuyer ce projet et d'informer la Régie d'incendie de son intention de devenir partenaire par le biais d'un investissement initial et la signature d'une entente à cet effet. Alors, je propose
que la MRC de la vallée du Richelieu appuie la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu dans le cadre du nouveau centre de formation et déclare son intérêt à devenir partenaire de ce projet, d'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la vallée du Richelieu toute entente et document utile ou nécessaire à cette fin, et de verser à la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu le montant qui sera établi dans l'entente quant à l'investissement de la MRC dans le cadre de ce projet. Merci. Donc, est-ce que j'ai un... Oui, j'ai M. Chalifou qui appuie. C'est bon, tout le monde? Ah, oui, oui. Merci. Nous sommes rendus au point 12, réglementation 12.1, projet de règlement numéro 69-22-5, modifiant le règlement numéro 69-17 relatif à la compétence de la MRC de la vallée du Richelieu à la partie du domaine de la collecte, du transport, du recyclage et de l'élimination des matières résiduelles. Donc, M. Gertin, si vous voulez bien faire la suite. Alors, par la présente, en fait, je propose un avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil de la MRC de la vallée du Richelieu, un règlement ayant pour effet d'obliger l'utilisation de conteneurs pour les nouveaux établissements résidentiels de 6 logements et plus pour la collecte des résidus ultimes et des matières recyclables et de préciser les exigences relatives à l'utilisation de conteneurs sera déposé pour adoption. Alors, en fait, je vous rappelle que le dit projet de règlement, en fait, ou le projet vous a été présenté, et donc je le dépose tel qu'il vous a été présenté. Merci, M. Gertin. Donc, nous sommes rendus au point 12.2. Donc, c'est le règlement numéro 86-22-3, modifiant le règlement numéro 86-20, relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC de la vallée du Richelieu. Pour l'adoption, Mme Lucier. Merci. La MRC de la vallée du Richelieu doit revoir annuellement les tarifs prévus dans son règlement numéro 86-20, relatif à la tarification des biens et des services de la MRC de la vallée du Richelieu. La MRC souhaite regrouper les tarifs pour les biens et services existants et applicables dans divers domaines dans un seul même règlement. À cet effet, il y a lieu de modifier le dit règlement numéro 86-20. Un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil du 20 octobre 2022, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, et que ce projet de règlement a été présenté et déposé lors de cette même séance. Des copies de ce projet de règlement sont disponibles au public pour consultation depuis la séance durant laquelle il a été présenté et déposé. Les membres du Conseil ont pris connaissance du règlement numéro 86-22-3, modifiant le règlement numéro 86-20, relatif à la tarification des biens et services de la MRC de la vallée du Richelieu. Ils s'en déclarent satisfaits. Alors, je propose que le règlement numéro 86-22-3, modifiant le règlement numéro 86-20, relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC de la vallée du Richelieu, soit et est adopté tel que déposé. Il manque un petit « t ». Merci, Mme Lucier. Donc, vous proposez, est-ce que j'ai un appuyeur? Monsieur Bousquet, merci. Nous sommes au point 12.3, règlement numéro 72-22-1, modifiant le règlement numéro 72-18 relatif à l'écoulement des eaux des cours d'eau du territoire de la MRC de la vallée du Richelieu, adoption. Monsieur Teasdale. Oui, bien, comme ma collègue en a parlé tantôt, donc la MRC doit tenir compte là, de l'augmentation des coûts qui sont reliés aux services offerts à la communauté en relation avec l'augmentation générale des coûts de la vie et ajuster certains frais d'analyse et de dépôt lors des révisions annuelles. Afin de faciliter l'évaluation annuelle des tarifs des frais d'analyse reliés aux demandes d'autorisation en vertu de son règlement numéro 72-18 relatif à l'écoulement des cours d'eau du territoire de la MRC de la vallée du Richelieu, il y a lieu de regrouper les tarifs applicables dans un seul et même règlement
l'ensemble des tarifs existants dans divers règlements. Donc, et attendu que pour ce faire, il y a lieu de modifier le dit règlement numéro 72-18 pour abroger les dispositions relatives aux tarifs applicables pour l'analyse des demandes de permis pour des travaux dans les cours d'eau de la MRC, afin de les inclure dans le règlement relatif à la tarification des biens et services de la MRC. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance du Conseil du 20 octobre 2022, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, et que le projet de règlement a été présenté et déposé lors de cette même séance. Attendu que des copies de ce projet de règlement sont disponibles au public pour consultation depuis la séance durant laquelle il a été présenté et déposé. Et attendu que les membres du Conseil de la MRC ont pris connaissance du règlement numéro 72-22-1, modifiant le règlement numéro 72-18 relatif à l'écoulement des eaux des cours d'eau du territoire de la MRC et s'en déclare satisfait. Alors, je propose que le règlement numéro 72-22-1, modifiant le règlement numéro 72-18 relatif à l'écoulement des eaux des cours d'eau du territoire de la MRC, soit et est adopté tel que déposé. Merci, M. Teasdale. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai M. Bousquet. Merci. C'est bon pour tout le monde? Oui. Le prochain point 13, ressources humaines. J'ai demandé la collaboration de M. Bertium pour les quelques prochains points. Donc, on va débuter avec le 13.1, confirmation de la fin de la période de probation d'un emploi, service du développement durable. M. Bertium. Merci, Mme Nadeau. Bonsoir à tous. En fait, les cinq prochains points concernent la dotation de différents postes au sein de la MRC. Le premier point de séance, 13.1, concerne la confirmation de la fin de la période de probation d'un emploi au service de développement durable et je vous fais lecture du projet de résolution. Attendu que les membres du personnel de la MRC sont soumis à une période de probation de 6 mois, telle que le prévoit le manuel du personnel et la lettre de confirmation des conditions d'emploi remises à chacun lors de leur embauche. Attendu que Mme Audrey Demers a été embauchée le 25 avril 2022 par adoption de la résolution numéro 2204-146. Attendu que Mme Demers a été conviée d'une rencontre d'évaluation de rendement avant la fin de sa période de probation. Attendu qu'à la suite de la recommandation de son gestionnaire, Mme Audrey Demers a complété avec succès sa période de probation. En conséquence, je propose qu'il soit résolu que Mme Audrey Demers soit et est confirmée dans son emploi permanent à titre de technicienne en gestion des matières résiduelles et que la lettre intitulée « Confirmation à un emploi régulier confirmant l'emploi et le statut permanent » soit transmise à Mme Audrey Demers. Merci, M. Bertium. Donc, nous avons votre proposition. Oui, j'ai Mme Viau. Merci. Donc, je vous laisse la suite, M. Bertium. Alors, point de séance 13.2, celui-là concerne la prolongation pour une période de 3 mois d'un emploi temporaire de conseillère à l'aménagement. Je vous fais lecture de la résolution. Alors, attendu que la MRC, par l'adoption de la résolution numéro 19-11-457, a procédé à l'embauche de Mme Mathilde Moreau afin qu'elle occupe l'emploi temporaire de conseillère à l'aménagement pour une période d'un an, se terminant en décembre 2020 avec possibilité de renouvellement. Attendu que la MRC, par l'adoption de la résolution numéro 2011-482, a procédé à la prolongation de l'emploi temporaire de conseillère à l'aménagement de Mme Moreau pour une période d'un an, se terminant le 31 décembre 2021 avec possibilité de renouvellement. Attendu que la MRC, par l'adoption de la résolution numéro 21-11-414, a procédé à la prolongation de l'emploi temporaire de conseillère à l'aménagement de Mme Moreau pour une période d'un an se terminant le 31 décembre 2022 avec possibilité de renouvellement. Attendu que l'emploi temporaire de conseillère à l'aménagement est toujours requis, et ce pour une période supplémentaire de 3 mois, afin que la MRC poursuive la révision du schéma d'aménagement. Attendu que la recommandation de Mme Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, et Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, ainsi que M. Denis Laplante, directeur du service de développement durable, est favorable. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu que Mme Mathilde Moreau occupera l'emploi temporaire de conseillère à l'aménagement pour une période supplémentaire de 3 mois. Que la prolongation de l'emploi temporaire occupé par Mme Moreau soit et est établie sur une base contractuelle à plein temps.
pour une période de 3 mois jusqu'au 31 mars 2023 avec possibilité de renouvellement et que la prolongation de l'emploi temporaire occupé par Mme Moreau soit établie selon les conditions prévues au document intitulé « Confirmation des conditions d'emploi ». Merci, M. Bertrand. Vous êtes appuyé par M. Bousquet. Merci. Troisième point de séance, le 13.3, est relatif à l'embauche d'un technicien ou d'une technicienne comptable. Alors, le projet de résolution est le suivant. Attendu que l'emploi de technicien comptable est à pourvoir à la MRC de la vallée du Richelieu, attendu que les démarches relatives au recrutement ont été amorcées par la MRC, attendu que les démarches entreprises ont permis de retenir la candidature de Mme Mélanie Lavoie, attendu que la recommandation du comité de sélection composé de Mme Diane Godette, directrice du service des finances et, matériel, et Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, est favorable. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu que Mme Mélanie Lavoie soit et est embauchée pour occuper l'emploi de technicienne comptable à compter du 12 décembre 2022. Que l'embauche de Mme Lavoie soit et est établie sur une base permanente à temps plein, avec une période de probation de 6 mois, et que l'embauche de Mme Lavoie soit faite selon les conditions prévues au document intitulé « Confirmation des conditions d'emploi ». Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que vous l'aviez proposé? Oui. OK, d'accord. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Madame Villeneuve, merci. Alors, point de séance 13.4, celui-là est relatif à l'embauche d'un coordonnateur ou coordonnatrice en développement économique. Attendu que l'emploi de coordonnateur en développement économique est à pourvoir au sein de la MRC, attendu que les démarches relatives au recrutement ont été amorcées par la MRC, attendu que les démarches entreprises ont permis de retenir la candidature de M. Marc-Antoine Côté, attendu que la recommandation du comité de sélection composé de Mme Évelyne Delvignon, directrice générale et greffière trésorière, Anne-Marie Granger-Godbout, directrice du service du développement agricole, culturel, économique, social et touristique, et Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, est favorable. En conséquence, je propose, et je serai appuyé par, on ne sait pas qui, et résolu que M. Marc-Antoine Côté soit et est embauché pour occuper l'emploi de coordonnateur développement économique à compter du 4 janvier 2023. Que l'embauche de M. Côté soit et est établie sur une base contractuelle à temps plein pour une période de familiarisation de 3 mois. Que l'embauche de M. Côté soit faite selon les conditions prévues au document intitulé « Confirmation des conditions d'emploi ». Merci, M. Bertrand. Vous êtes appuyé par Mme Biot. Et le dernier point de séance relatif à la dotation de poste, le point 13.5, qui est relatif à l'embauche d'un ou d'une technicienne au cours d'eau. Dans le cadre de remplacement d'un congé de maternité. Le projet de résolution se lit comme suit. Attendu que l'emploi de technicien au cours d'eau est à pourvoir à la MRC, attendu que les démarches relatives au recrutement ont été amorcées par la MRC, attendu que les démarches entreprises ont permis de retenir la candidature de Mme Marie-Lou Goyer, attendu que la recommandation du comité de sélection composé de messieurs Denis Laplante, directeur du service du développement durable, et Joël-Éric Portelance, conseiller à l'environnement, ainsi que de Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, est favorable. Je propose, et il est appuyé par, et résolu que Mme Marie-Lou Goyer soit et est embauchée pour occuper l'emploi de technicienne au cours d'eau à compter du 9 janvier 2023. Que l'embauche de Mme Goyer soit et est établie sur une base contractuelle à temps plein avec une période de probation de 6 mois. Et finalement, que l'embauche de Mme Goyer soit faite selon les conditions prévues au document intitulé « Confirmation des conditions d'emploi ». Merci beaucoup, M. Bertrand. Donc, est-ce que nous avons un appuyeur pour… Oui, M. Bousquet? Le 9 ou le 28 novembre? Le 28 novembre. C'est le 28 novembre 2022. Novembre 22. Parfait. Alors, j'appuie. Merci avec ce correctif. Nous sommes rendus au point 13.6, modification de l'organigramme. Donc, attendu que les membres du conseil de la MRC de la vallée du Richelieu ont procédé à une priorisation des projets et activités pour la prochaine année, il est souhaitable de regrouper certaines activités au sein de la MRC-VR afin d'assurer une cohérence avec son exercice de priorisation. Les membres du conseil de la MRC-VR ont pris connaissance de ces changements et s'en déclarent satisfaits. Les membres du comité sur la gouvernance sont favorables et recommandent l'adoption de l'organigramme de la MRC-VR tel que modifié.
Donc, si mes collègues sont en accord, il serait résolu que l'organigramme de la MRC de la vallée du Richelieu soit et est modifié tel que présenté par la directrice générale trésorière, Mme Évelyne Davignon, que le nouvel organigramme entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023, que les recommandations du Carrefour du capital humain de l'UMQ soient mises en place. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Teasdale et M. Dulac. Merci. Nous sommes rendus au point 14, sujet devant faire l'objet d'une décision du Conseil. Donc, 14.1, renouvellement de la convention d'exploitation dans le cadre de l'entente cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale. Monsieur Gertin, est-ce que vous... Oui, j'ai joué, vous avez pris. Oui, alors... Donc, la Société d'habitation du Québec, puis la Ville de Mont-Saint-Hilaire et l'Office municipal d'habitation de Mont-Saint-Hilaire ont conclu le 24 janvier 1983, donc posez-vous la question, où étiez-vous en 1983, des conventions d'exploitation pour deux ensembles immobiliers portant les numéros 1409 et 1410 situés dans la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Toutefois, en 2019, la MRC de la vallée du Richelieu a déclaré compétence dans le domaine de la gestion du logement social et qu'à la suite de cette déclaration, l'Office régional d'habitation de la vallée du Richelieu a été constitué le 1er janvier 2021. Or, l'Office est donc dorénavant propriétaire et gestionnaire de cet ensemble immobilier portant les numéros 1409 et 1410. De manière à ce que le versement de la subvention prévue au terme des conventions et que ces conventions elles-mêmes doivent prendre ou ont pris fin aux dates de fin de la convention d'exploitation, soit le 1er juin 2023 et au 28 février 2023 pour les ensembles immobiliers visés, attendu que la mise en œuvre d'un programme temporaire autorisant le financement du déficit d'exploitation de certains ensembles immobiliers du parc d'habitation à loyer modique a été approuvé par le gouvernement par le décret numéro 1296-2021 et adopté le 6 octobre 2021. Tandis que le programme autorise la SHQ à maintenir en vigueur avec l'organisme admissible, soit l'Office d'habitation régionale et chaque ensemble immobilier concerné, une convention d'exploitation qui contient substantiellement les mêmes conditions que celles existantes au moment de son échéance. Tandis que le programme autorise la SHQ à maintenir le versement de l'aide financière, pour subventionner jusqu'à un maximum de 90 % le déficit d'exploitation annuel des organismes qui possèdent ou gèrent des ensembles immobiliers dont, dont l'habilitation initiale est issue. Tandis que la SHQ souhaite conditionnellement à ce que chacun des ensembles immobiliers concernés par la convention d'exploitation soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de leurs conventions respectives, prolonge le versement de cette subvention jusqu'au 31 décembre 2023, tandis que la MRC doit autoriser le renouvellement avec la SHQ et l'Office d'habitation des conventions d'exploitation pour les ensembles immobiliers concernés, prévoyant le paiement par la MRC de subventions dans une proportion de 10 % du déficit d'exploitation de ces ensembles immobiliers, et ce, pendant toute la durée de ce renouvellement, puis attendu que les parties désirent confirmer le renouvellement des conventions d'exploitation concernées. En conséquence, je propose d'approuver et d'autoriser le renouvellement des conventions d'exploitation pour l'ensemble immobilier numéro 1409 et 1410 situé dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, aux mêmes conditions à partir des dates de renouvellement de la convention d'exploitation, et ce, jusqu'à l'arrivée de la première des échéances suivantes, soit le 31 décembre 2023, ou la fin de la durée de vie utile de l'ensemble immobilier tel que déterminé par la Société d'habitation du Québec. Que la MRC de la vallée du Richelieu et l'Office régional d'habitation de la vallée du Richelieu s'engagent à respecter pendant cette durée chacun des termes, obligations et conditions des conventions d'exploitation. Que le versement de la subvention par la SHQ, qui est limité à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que l'Office régional d'habitation de la vallée du Richelieu gère et exploite les ensembles immobiliers en conformité avec les dispositions des conventions. Que la MRC de la vallée du Richelieu s'engage au paiement de subventions dans une proportion de 10 % du déficit d'exploitation des ensembles immobiliers concernés, et ce, pendant toute la durée de ce renouvellement, et d'autoriser
Mesdames Marie-Lyne Nadeau, préfète, et Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, a signé pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu le renouvellement des conventions d'exploitation ainsi que tout document utile et nécessaire à cette fin. Merci. Donc, est-ce que j'ai un appui? Oui, Madame l'Abbé. Merci. Donc, nous sommes au point. Oui, Monsieur Bousquet. En janvier... Mais... 83? Oui, je travaillais à la commission des écoles catholiques de Montréal, à l'école Louis-Joseph Papineau. Moi, cette date exactement qu'il a nommée, je naissais. Oh! Petite tranche de vie. Oui. Alors, Madame la Préfète, oui. Oui, donc, vous avez sollicité... Vous avez sollicité, M. Gertin, oui, notre mémoire. Sais, je sais, mais l'heure se fait tardive. Oui, oui, on se rapproche de 22 heures. Donc, point 15, demande d'appui. Et c'est la MRC de Thérèse de Blainville qui demande une aide financière au gouvernement du Québec en vue d'atténuer les impacts inflationnistes. Merci. Donc, je suppose que vous allez l'avoir mieux que moi, Mme Villeneuve. Je vous laisse le micro. Merci. Attendu que la MRC de Thérèse de Blainville, par sa résolution numéro 2022-10-231, demande l'appui de la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre de sa demande au gouvernement du Québec de fournir une aide financière ponctuelle aux municipalités en vue d'atténuer les impacts inflationnistes. Attendu que les impacts directs et indirects et difficiles de la pandémie de COVID-19, des conflits géopolitiques, des incertitudes économiques et des soubresauts inflationnistes sur le portefeuille des contribuables, sur les finances des municipalités ainsi que sur leur capacité de livrer les services de base et de proximité à moindre coût. Attendu que les impacts actuels et futurs sont accentués, voire aggravés par la pénurie de la main-d'œuvre, l'augmentation des coûts des matières premières et par les retards des livraisons, tous secteurs d'activité confondus. Attendu que les rôles et fonctions des gouvernements élus démocratiquement dans les sociétés démocratiques telles que le Québec et le Canada consistent à atténuer le fardeau de l'inflation sur le pouvoir d'achat des contribuables, tout comme sur la capacité financière des institutions publiques municipales qui agissent à titre de gouvernement de proximité. Attendu que le pacte fiscal conclu entre le gouvernement du Québec et les municipalités n'a pas prévu des mesures d'atténuation, de rattrapage et ou de correction en cas de force majeure et exceptionnelle. En conséquence, je propose que la MRC La Vallée du Richelieu appuie la résolution numéro 2022-10-231 de la MRC de Thérèse de Blainville et interpelle directement le premier ministre du Québec, M. François Legault, afin qu'il examine la possibilité de fournir une aide financière ponctuelle aux municipalités afin que ces dernières maintiennent un niveau de taxation raisonnable vis-à-vis de leurs contribuables. Que la MRC de la Vallée du Richelieu estime et juge qu'une aide financière dans un contexte inflationniste accablant de conflits géopolitiques et de pénurie de la main-d'œuvre garantira le développement des territoires sans biaiser les capacités financières immédiates institutionnelles ni le pouvoir d'achat des contribuables et parties prenantes. Que la MRC de la Vallée du Richelieu interpelle l'ensemble des protagonistes d'appuyer la présente résolution, à commencer par la FQM, l'Union des municipalités du Québec, l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec, l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec et les communautés métropolitaines de Montréal et de Québec. Que la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du développement économique régional et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, à la ministre des Affaires municipales, aux députés des territoires et autres forces vives, Fédération québécoise des municipalités, UMQ, Association des directeurs généraux des municipalités du Québec, Association des directeurs généraux des MRC du Québec, Communauté métropolitaine de Montréal et Communauté métropolitaine de Québec. Merci, Mme Villeneuve. Donc, vous êtes appuyée par M. Lessard. Je vous remercie. Donc, nous sommes rendus à divers, point 16. Nous avons rien jusqu'à date. Donc, 17, intervention de l'assistance. Donc, je vais m'adresser à ceux qui se sont déplacés tout d'abord. Est-ce que vous avez des questions? J'ai compris qu'il se fait tard. Oh, c'est fin! Merci. Donc, nous avons une question en ligne, Maître Amel. Oui, en fait,
Il y a deux questions qui ont été préalablement posées, puis une troisième, c'est à vous de voir si vous l'autorisez à votre discrétion en vertu du règlement 90-22. Oui. Donc, la première question est celle-ci. Elle vient de Mme Monique Comtois, citoyenne de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Et s'adresse finalement à vous, la présidente du conseil, et ainsi qu'à tout membre qui voudrait ajouter à la réponse que vous pourrez donner. Donc, à ce moment-ci, ça porte sur le point 8.5 de notre ordre du jour, donc les avis de conformité des règlements d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, elle aimerait connaître les raisons du conseil de voter ou non en faveur de la conformité au schéma schéma d'aménagement là, de la MRC, du règlement qui a été présenté au point 8.5.2.1, donc le règlement numéro 1235-22, et également là, celui du 8.5.2.2, donc le règlement numéro 1235-23, dans les deux cas qui amendent le règlement de zonage numéro 1235. Donc ça, ce serait la première question, si vous souhaitez... Y répondre, bien, en fait, l'analyse a été faite par notre département de l'aménagement et de l'urbanisme ici. Donc, c'est eux qui nous ont fait la recommandation. Puis, la deuxième question est à cet effet. Donc, elle aimerait connaître les raisons du conseil de la MRC d'avoir voté le 16 juin dernier de la conformité au schéma des règlements qui concernent la zone A16 à Mont-Saint-Hilaire. OK, ça fait quand même un bout, là. Le 16 juin 2000... Oui, donc la conformité au schéma d'aménagement des règlements qui concernaient la zone A16 à Mont-Saint-Hilaire. Bon. En fait, je vais... Oui, c'est ça, je vais... on va lui indiquer la réponse dans une autre séance subséquente pour qu'on puisse aller justement valider c'était quoi les énoncés le 16 juin dernier. Merci, Maître Hamel. Parfait. Puis est-ce que la troisième question est autorisée? Je vais l'accepter, mais il se fait tard. Parfait. Selon vous, quel objectif tentez-vous d'atteindre pour le schéma d'aménagement? C'est tellement large comme question. C'est à développement, là, sincèrement. Là. En fait, on veut le mieux pour nos communautés. Je pense que d'avoir confiance aux élus qui siègent ici, parce qu'on a toute cette volonté-là de faire du mieux pour nos communautés. C'est bon, Maître Hamel? Oui, c'est parfait. Il n'y en avait pas d'autres. Okay. Je vais juste rafraîchir là, si je n'avais pas une autre moi personne aussi, qui ne serait pas... oui. La page dans mon cas. Mais non, il n'y a pas d'autres personnes qui ont posé des questions depuis. Donc, nous sommes rendus à la clôture de la séance. Est-ce que j'ai un propos? Eh, hey boy, hein? Ça lève. Pardon? Oui, bien, juste avant que vous partez, vous pouvez pas. En fait, je vais souhaiter des joyeuses fêtes à vous tous. Puis, je vous souhaite du repos, des moments en famille. Prenez soin de tous ceux qui sont proches. Vous savez que c'est ces moments-là qui nous donnent justement de l'énergie pour débuter la prochaine année. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances, puis au plaisir de continuer à travailler avec vous l'année prochaine. Puis bon repos à vous, vraiment. Merci, puis passez des belles fêtes. Joyeuses fêtes. Merci. Oui, bien, j'avais M. Bousquet puis M. Chalifou.